Ça marche, oui, là, celui-là, il marche. Mais écoutez, installez-vous, on va commencer. Donc, je salue, parce que c'est en visio, donc, on fait beaucoup de choses comme ça maintenant, ça a du succès. Les corbeillers senoises et les corbeillers senois et les autres peuvent nous suivre sur les réseaux. Et comme on va vivre un moment passionnant, on voudrait que ceux qui n'ont pas pu venir ce soir puissent en profiter. Donc, bienvenue à vous. Je vois qu'il y a aussi des Villabéennes qui sont là. On salue, autrement beaucoup de corbeillers saônois et de corbeillers saônois. Donc, avec Sylvie Dayani, lève-toi, les gens qu'on commence à connaître. Sylvie Dayani s'occupe, est élue de la nature en ville. C'est-à-dire que s'il commence à y en avoir un tout petit peu plus, c'est bien, c'est grâce à toi. Merci. On avait beaucoup commencé par le cirque de l'Essonne, mais l'essentiel est devant nous, donc on a beaucoup de travail. Et puis, donc, il y a Frédéric Piau qui était par là, qui est maire adjoint, voilà, qui est ici. Si vous avez des trous dans vos chaussées, c'est de sa faute. Voilà, mais il y en a, mais on en a hérité de beaucoup. Hein. Mais petit à petit, on va essayer de. Voilà. Et notamment, on disait aussi beaucoup de mobilier urbain. Enfin, il s'occupe de tout ce qui est question d'environnement, d'entretien de la ville, de voirie, etc. Donc, merci d'être là. Je présente un petit peu de monde. Muriel Armestein, des services qui travaillent dans nos services, qui suivent ça. Arnaud Duverne, il doit être. Il est où? Il est là, je le cherchais. Arnaud, qui est notre chargé de mission, qui suit beaucoup de questions liées à l'environnement, mais notamment tout ce qui est l'eau, et il y en a beaucoup, la Seine, l'Essonne, et donc qui est. Bonsoir, monsieur. Il y a au cabinet du maire qui suit tout ça, l'efficace Flore Sattarade. C'est bien que vous mettiez des visages, Flore, qui suit tout ça pour nous. Plein de questions sur la ville et ses partenaires, l'agglomération, le CIARS, le CIREDOM, entre autres, et puis beaucoup de dossiers d'aménagement et d'urbanisme, entre autres. Voilà, il y a Max Le Guem, le directeur de cabinet, qui est là, ici, et qui est là. Vous pouvez demander des choses. Et puis Elisabeth, on va finir présenter tout le monde. Vas-y, approche-toi. Non, mais approche-toi, parce que les gens ne te voient pas. Voilà, ici, qui est la directrice de la communication. Chez nous, nos amis qui nous font en sorte qu'on a des moyens techniques qui marchent très bien. Merci, nouveaux journalistes aussi à la commune. Donc, rapidement, je vais pas être long parce que Jean-Luc et on est très contents, va l'être un peu. Vous allez apprendre des choses. Il y a Monsieur Sirami aussi, des gens de l'association défense de l'environnement. Bonjour. D'abord, on a un point commun, c'est que. Je suis riverain de l'Essonne aussi, j'habite juste au bord de l'eau. Et j'ai longtemps pensé que c'était indispensable que ceux et celles qui partagent la rivière, alors tout le monde en profite, mais il y a ceux qui vivent au bord. C'est particulier d'être au bord de l'eau. Vous pourrez poser des questions, vous présenter. Ça fait des années que je pensais utile qu'on se parle, parce que c'est un sujet majeur, c'est une chance. Mais qui nous oblige d'avoir la rivière qui traverse Corbeil-Essonnes et qui se jette juste là, dans la Seine. Et je le dis sans flagornerie, Jean-Luc Combrisson, que vous connaissez ou pas, vous allez apprendre à le connaître, a longtemps été, il y a longtemps, le directeur général de tous les services techniques de la ville, du temps de son tonton, Roger Combrisson, il y a très longtemps. Après, il a été le directeur du CIARS, on va en parler. Il en a fait un très grand syndicat de rivières et d'assainissement et d'autres choses jusqu'il y a à peu près 10 ans, je ne sais plus, je dirais peut-être des bêtises, c'est ça, à peu près. Parce qu'en 2011, après voilà, cette coopération de directeur avec le président du CIARS s'est arrêtée. Et puis voilà, il a fait d'autres choses. Et du coup, je le dis, c'est pour ça que je dis sans flagornerie. Après Jean-Luc, c'était un peu plus compliqué parce qu'à la direction du CIARS, il y avait beaucoup d'initiatives. Il y a oui, monsieur de la Fédération du kayak qui est là, Claude aussi. Il y avait beaucoup d'initiatives pour communiquer sur la rivière, les travaux d'assainissement, mais les travaux de berge, etc., la vie de la rivière. Tout ça, c'est un peu estompé. Et du coup, c'est moins devenu un sujet. Et d'ailleurs, le CIARS a un peu moins de sous, on va en parler, pour s'occuper de tout ça, pour plein de raisons. Et quand on devient maire de Corbeil-Essonnes, ce qui fut mon cas il y a 22 mois, assez automatiquement, vu l'enjeu de l'Essonne et de l'assainissement qu'on a à Corbeil-Essonnes, on devient vite premier vice-président du CIARS.
D'accord? Donc on est maire, puis je me retrouve avec Xavier Dugouin, que je salue, le président du CIARS. Il n'est pas là, hein, je ne l'ai pas vu, mais il était là il y a un mois à une réunion sur la présentation du dossier des Grands Moulins de Corbeil, parce qu'il y a des enjeux avec la rivière. On devient vite vice-président de cette grosse machine, quand même. Le CIARS, c'est des dizaines et des dizaines de communes reliées parce qu'elles partagent la rivière Essonne, avec voilà, des enjeux budgétaires très importants. Et donc, je le dis aussi, quand on est devenu maire ici, toute l'équipe, eh bien, les liens avec le CIARS s'étaient un peu distendus, alors que les enjeux sont considérables. Et puis, nous n'avions pas, dans nos services, il y avait des gens comme Muriel, évidemment, qui travaillent, etc. Mais il n'y avait quasiment plus d'ingénieurs, par exemple. Vous voyez, il n'y avait plus d'ingénieurs dans la ville de Corbeil-Essonne, 1300 agents. Mais plus d'ingénieurs pour travailler, penser l'architecture, les travaux, la voirie, enfin tout ce qui est la technique dans une ville, il n'y en avait plus. Et on a découvert que, bienvenue, Monsieur Breton, venez, bien sûr, Jacques Picard aussi, deux élus. Imaginez, mettez-vous, vous devenez maire, vous avez des questions complexes à régler, et puis quand on se retournait dans les services, vous êtes du CIARS, madame? Ben, venez, hein, vous êtes la bienvenue, je ne sais pas si vous pouvez... Voilà. Une agent du CIARS qui est là. On s'est aperçu que dans nos services, pour faire l'interface avec le CIARS, il n'y avait pas grand monde. Ce n'est pas faire injure à des agents, il y en a plein qui travaillent, mais il n'y avait pas grand monde en technicité. L'assainissement, c'est complexe, la rivière, c'est compliqué. Et pour nous, nous les élus, nous sommes des... on s'intéresse à plein de choses, mais on n'est pas des spécialistes de tout. C'était compliqué. Et du coup, je le dis là, nous avons donné une mission très vite à Jean-Luc Combrisson. On lui a donné une mission, tant d'heures par mois, parce que vous allez voir, il connaît bien le sujet. Et c'était dommage, quand bien même il était pour une part à la retraite, mais on peut continuer d'être vif et d'avoir des compétences, même si on est à la retraite depuis quelques temps. C'était dommage de se passer des compétences, d'un savoir, d'une histoire, vous allez vous en rendre compte. Et donc, on a donné une mission à Jean-Luc pour nous former. Voilà. Et là, ça continue. Il a fait beaucoup de réunions avec les élus pour comprendre tous ces enjeux. Et rapidement, je me suis aperçu ces derniers mois que voilà, le CIARS, c'était une machine compliquée, je le dis, pas forcément avec la force de travail et d'ingénierie qu'il y avait il y a quelques années. Et les enjeux, pourtant, sont là. Et fidèle, et je m'arrêterai là pour ces premiers mots d'introduction, à notre marque de fabrique municipale, qui est de dire « la ville, elle vous appartient ». Et donc, il faut qu'on la gère ensemble. Nous, on a des obligations, des responsabilités, du pouvoir d'intervention. Mais enfin, sans les habitants, on s'en rend compte dans notre pays, à l'échelle internationale, si les gens ne sont pas au cœur, ben, ça se passe mal. Et nous, on veut que ça se passe bien à Corbeil. C'est pour ça qu'on s'est dit, bah, tiens, ce qu'on a toujours voulu faire, on va le faire. On va inviter ceux qui ont l'Essonne en partage à venir se rencontrer. On verra ce que ça donne. Ça fait belle lurette que ce n'est pas arrivé une réunion comme ça. Et donc, on s'est dit, bah Jean-Luc, tu vas nous donner l'Essonne, un bien commun, prenons son destin en main. C'est le thème. Il va faire une conférence, donc c'est un peu plus qu'une intervention. Hein, et puis, on aura un temps, je le souhaite, pour qu'on puisse discuter, évidemment, poser des questions. Et c'est une première. Donc, il y aura... sûrement des frustrations parce qu'on n'aura pas pu discuter de tout. Mais on va réussir à fermer le téléphone. Non, on n'y arrive pas. Bon. Mais comment dire, c'est une première, il y en aura d'autres. D'accord ? C'est-à-dire que ce soir, on fait connaissance. Le but, c'est de créer, je vous le dis, hein, une communauté de Corbeil-Essonnoises et de Corbeil-Essonnois. Et puis comme on est ouvert de la rivière, c'est ça qui est génial, c'est qu'elle se moque aussi des limites communales, hein, et départementales en l'occurrence. Et donc on veut créer une communauté de citoyens et de citoyennes qui prennent en main cette affaire. Il ne faut pas nous la laisser aux élus, il ne faut pas la laisser aux CIARS tout seul. Il faut que ce soit votre affaire. Et pour que ce soit votre affaire, il faut que vous compreniez de quoi on parle. Vous avez sûrement, je vois Jean-Luc Almera, qui est où ? Il est arrivé tout à l'heure. Il est là. Voilà, je le connais bien parce que
Il est à quelques encablures de chez moi et il habite au bord de l'Essonne. Et parfois, je le vois passer devant chez moi en canoë. Donc, je sais qu'il y en a parmi vous qui connaissent bien le sujet, mais vous allez voir, c'est beaucoup plus riche et plus compliqué que ce qu'on peut imaginer. Voilà pourquoi on est là ce soir. Il est 7h moins le quart. On avait marqué jusqu'à 21h. Si ça peut tenir 20h30, on verra. Parce que... Mais on a ce temps-là. Et Jean-Luc, donc, c'est à toi de. Tu as un micro, on va vérifier qu'il fonctionne. Vas-y. Oui, je pense que oui. Super. C'est parti, à toi, Jean-Luc. Bien, merci Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Pour vous faire croire que j'ai un peu de culture, je vais commencer cette intervention par une citation. L'eau est le sang de la terre. Citation d'un philosophe autrichien. Et ça doit être pour cette raison d'ailleurs que Monsieur Perriot a demandé à Madame Dayani, qui est infirmière dans le civil et spécialiste des prises de sang, de s'occuper d'eau. Cette plaisanterie mise à part, j'entre dans le vif pour rappeler que l'Essonne est l'épine dorsale d'un bassin versant de 10 000 km², qui s'étale sur quatre départements, sur deux régions, la région Centre et la région Île-de-France, sur quatre départements, les deux principaux étant l'Essonne et le Loiret, et sont également concernés un petit bout de Seine-et-Marne, ainsi qu'un petit bout d'Eure-et-Loir. Voilà, vous avez le plan de ce bassin versant sous les yeux, sachant qu'il y a un peu plus de 200 communes et que l'Essonne, comme vous le voyez sur ce plan-là, je ne vous gêne pas, non? Non, non, non. Pour regarder là-haut. Donc, le plan versant, le bassin versant, vous l'avez là sous les yeux. Le principal affluent de l'Essonne, c'est la Juine, qu'on a, voilà, qui est pointée là. Sachant que sur l'amont, ce sont deux petits cours d'eau, l'Œuf et la Rimarde, qui donnent naissance à l'Essonne. L'Essonne en elle-même fait environ 98 km de long, traverse un peu plus de 50 communes. Donc la source est prise dans la forêt d'Orléans. L'amont de la rivière a un caractère rural et est très directement impacté par ce qui se passe sur la Beauce et en particulier sur la nappe de Beauce. Et la partie aval est plutôt urbaine. Corbeil-Essonnes étant bien évidemment située à l'aval total de l'ensemble du bassin versant. Donc le positionnement de Corbeil-Essonnes est important dans la mesure où nous récoltons, si j'ose dire, sur Corbeil-Essonnes, tous les dysfonctionnements qu'il peut y avoir sur l'ensemble du bassin versant, que ce soit au plan qualitatif, au plan de la qualité des eaux, qu'au plan quantitatif. Et on sera vraisemblablement appelé à reparler ce soir, peut-être en entrant dans les détails, du risque inondation. Donc, les caractéristiques de cette rivière, les gens de ma génération, il y en a quelques-uns dans la salle qui ont beaucoup de cheveux blancs, ont dû apprendre dans leur prime jeunesse que l'Essonne était le cours d'eau le plus stable de France, au débit le plus constant. C'est pas totalement faux, c'était plus vrai il y a 60 ans ou 70 ans quand on était à l'école primaire que ça n'est vrai aujourd'hui. Pourquoi cette rivière a eu la réputation historiquement d'avoir un débit constant? Parce que c'est une rivière, alors là aussi je vais nuancer le propos ultérieurement,
Mais fondamentalement, l'Essonne est une rivière source. C'est-à-dire qu'elle est le débit de base correspond aux résurgences de la nappe de Beauce. À son amont, l'Essonne est à une altitude, prend sa source à une altitude d'environ 150 mètres. À Corbeil-Essonne, elle se jette dans la Seine à une altitude de 32, 33 mètres, quelque chose comme cela. Donc il y a environ 120 mètres de dénivelé sur les près de 100 km de cours, ce qui fait d'ailleurs une pente moyenne faible. Et dans sa partie intermédiaire, en gros, entre La Ferté-Alais et puis Metz, il y a plus de 200 résurgences de la nappe de Beauce qui donc alimentent cette rivière. Sauf qu'elle est de plus en plus impactée par le régime de pluie. On va y revenir. Donc, qui dit résurgence de la nappe de Beauce dit bien évidemment, en termes de qualité des eaux, impact sur la rivière de tout ce qui se passe sur la Beauce, de l'agriculture intensive sur les terres agricoles, avec utilisation de forces engrais et de produits phytosanitaires. Et tout ça, eh bien, ça se retrouve dans la rivière. Les facteurs donc de pollution de la rivière, ce sont les engrais qui engendrent une pollution au nitrate, sachant que par ailleurs, il y a l'impact de l'assainissement, cette fois-ci bien évidemment plus en zone urbaine qu'en zone rurale, où là la pollution est au phosphore, et le mélange phosphate-nitrate dans la rivière produit des phénomènes gênants de production d'algues, d'eutrophisation de la rivière, donc avec une perte de qualité des eaux et une perte de qualité également de la biodiversité. Ce qui fait que pour améliorer la qualité de la rivière, il faut maîtriser ce qui se passe dans les zones agricoles de l'amont, vaste sujet bien évidemment, et d'autre part, il faut améliorer le fonctionnement des systèmes d'assainissement, en particulier des stations d'épuration, dont certaines rejettent leurs effluents dans l'Essonne. Ce n'est pas le cas de Corbeil-Essonne, puisque vous savez que la station d'épuration rejette, elle, dans la Seine. Mais il y a sur l'amont plusieurs stations d'épuration. Au plan quantitatif, le fait que cette rivière soit une rivière source lui garantit effectivement un débit pas constant, puisque bien évidemment que pendant les périodes de sécheresse, les agriculteurs sur l'amont pompent beaucoup, donc engendrent une baisse du niveau de la nappe de Beauce dans laquelle se font les pompages, cette baisse de niveau de la nappe de Beauce impactant le débit de la rivière qui diminue. À l'inverse, lorsqu'on est en période de forte pluie, la nappe a tendance à s'élever. Les agriculteurs pompent bien évidemment beaucoup moins ou ne pompent pas du tout quand il pleut pour arroser. Donc le niveau de la nappe s'élève et à ce moment-là, ça augmente le niveau des débits des cours d'eau, Juine et Essonne. Pendant très longtemps, l'impact ponctuel des pluies
était marginale. Sur fond de développement des urbanisations, donc d'augmentation des surfaces imperméabilisées, compte tenu de l'évolution également des pratiques agricoles, et avec l'impact du réchauffement climatique, la rivière Essonne est de plus en plus impactée par la pluviométrie. D'ailleurs, j'avais été amené en 2006, vous voyez que ça commence à dater, on m'avait demandé lors d'un symposium international à Cannes, qui s'appelait Cannes Water, c'est pas très original comme titre, on m'avait demandé de faire une conférence sur ce qu'on avait observé de l'impact du réchauffement climatique sur le comportement de la rivière. Et dès cette époque, il y a donc environ 16 ans, j'avais déjà, à la lumière de l'outil qu'on avait mis en place dès 1992, un outil de métrologie, la métrologie étant la science de la mesure, l'une des premières décisions que j'avais fait prendre par les élus du CIARS en 1992, lorsque j'en ai pris la direction générale de ce syndicat, ça a été d'une part de lancer des études, je vais y revenir, et d'autre part de mettre en place des outils qui permettent de mieux comprendre comment la rivière fonctionne. Parce qu'un bassin versant comme celui de l'Essonne est complexe. Et si on ne comprend pas les interfaces entre la météorologie, le régime des nappes, les pratiques agricoles, l'impact de l'industrie en zone, même s'il diminue, en zone aval, en zone urbaine, les interfaces entre milieu naturel, eau potable, assainissement, donc dans une vision transversale des problèmes de l'eau, on peut difficilement ajuster des politiques et les rendre efficaces pour diminuer les risques, je pense aux inondations, même si le risque à venir sera plus celui généré par les sécheresses que par les inondations, je vais y revenir, ainsi que de la volonté, bien évidemment, d'amélioration de la qualité des eaux que j'évoquais précédemment. Donc, rivière stable, mais de plus en plus soumise aux aléas. À tel point d'ailleurs que on a pu constater ces dernières années des débits d'étiage, c'est-à-dire des débits en période de sécheresse. Oui, ce que je n'ai pas dit, c'est que l'Essonne, à peu près comme tous les cours d'eau de France, de Navarre et bien au-delà, est soumise à des cycles. Hein, des cycles de hautes eaux et des cycles de basses eaux. J'ai l'habitude de faire référence lorsque je fais des petite conférence comme celle de ce soir, même si j'en fais beaucoup moins qu'avant, je fais référence aux 7 vaches grasses et aux 7 vaches maigres du Nil. Hein. Vous savez que le Nil était le facteur de fertilisation de sa vallée et donc de l'Égypte, dans la partie aval du fleuve. Et eh bien, on constatait qu'il y avait des cycles de hautes eaux et des cycles de basses eaux qu'on appelait à l'époque les 7 vaches grasses et les 7 vaches maigres du Nil. Vous avez bien compris que les 7 vaches maigres, c'était quand il n'y avait pas beaucoup d'eau, donc pas beaucoup d'inondations de la vallée, donc pas beaucoup de fertilisation des sols, donc pas beaucoup de production agricole, donc pas beaucoup de richesses et problèmes sociaux qui s'en suivaient. Les 7 vaches grasses étant considérés comme des périodes
d'opulence, même si par ailleurs les inondations pouvaient poser quelques problèmes. L'Essonne, elle est de même soumise à ces rythmes-là. Et je faisais remarquer, lorsque j'ai fait cette conférence à Canwater en 2006, que nous avions déjà, grâce à l'outil métrologique qui avait été mis en place au CIARS à partir de 1992, que effectivement le réchauffement climatique se faisait sentir sur un double plan. D'une part, une réduction de la durée des périodes de hautes eaux et de basses eaux, donc plus de variabilité dans le temps, et également une amplitude de plus en plus importante entre les débits les plus faibles et les débits les plus élevés. Ce qui fait que on a aujourd'hui des débits d'étiage l'été qui peuvent être de l'ordre de 2 mètres cubes secondes. Et puis, il y a eu effectivement le plus gros débit de crue connu à ce jour, qui remonte à début juin 2016, avec un débit, si je ne m'abuse, de 35 mètres cubes secondes à Corbeil-Essonnes. Donc vous voyez, la variation, c'est entre 2 et 35. Alors, ce n'est pas une variation importante. Vous avez y compris dans le département de l'Essonne des cours d'eau comme l'Yerre ou l'Orge qui ont des coefficients beaucoup plus importants. Et je ne parle pas, bien évidemment, des cours d'eau du sud de la France, où là, c'est beaucoup, beaucoup plus important, cette variabilité. Mais pour l'Essonne, c'est quand même important. Pourquoi ? Parce que le fait que cette rivière ait été historiquement une rivière qui n'avait pas beaucoup de variabilité dans les débits et dans les niveaux fait que bien toute l'urbanisation s'est développée en tenant compte de cela. Ce qui fait que maintenant, il peut y avoir des impacts négatifs même sans qu'il y ait des débits de centaines de mètres cubes secondes, comme ça peut arriver, y compris sur des petits cours d'eau. Mais c'est quand même pas sans poser des problèmes. Alors, cette réalité d'ordre technique étant dite, quelques points d'histoire. L'Essonne vient du nom Exona, hein, qui était une déesse gallo-romaine de l'eau. Et cette déesse gallo-romaine de l'eau, elle a donné son nom à la rivière. Laquelle rivière a donné son nom au département ? L'une des façons d'illustrer le rôle fondamental joué par les cours d'eau dans notre pays, c'est que vous avez les trois quarts des départements qui portent des noms de cours d'eau. Le CIARS est le syndicat intercommunal qui s'occupe de la gestion de ce cours d'eau. Alors, je vais essayer d'être synthétique dans l'histoire. Les premières interventions du CIARS, elles ont été faites dans les années 60 par la suppression de quelques bras de rivière à l'intérieur de Corbeil-Essonnes, en particulier le bras de l'Indienne. Alors, il est arrivé qu'on me dise « Ah ouais, oui, mais vous vous plaignez à Corbeil-Essonnes qu'il y ait des inondations, mais c'est de votre faute parce que des bras de rivière ont été comblés, donc on a diminué les capacités en débit. » Vous devinez bien que les gens qui nous disent ça, ce sont les gens de l'amont. Hein, alors, bon, bah, s'il y a des problèmes d'inondation à Corbeil-Essonnes, vous vous débrouillez. Non, tout ça est complètement faux. Le fait est que quelques bras de rivière, je pense au bras de l'Indienne, que certaines ou certains d'entre vous ont sûrement connu, ont été comblés, mais ça n'a pas nui en aucune façon aux capacités de débit à l'intérieur de Corbeil-Essonnes. Les deux bras principaux restants permettent largement de faire passer les débits nécessaires.
Ensuite, on a connu en 1983 une grande crue, qu'on a considérée comme centenale, donc d'un temps de retour de tous les 100 ans, hein, mais finalement qui s'est avérée comme cinquantenale à la lumière de la crue de 2016. Et en 1983, il y a quand même eu des impacts sérieux dans Corbeil-Essonne. Je me souviens, comme le rappelait M. le maire tout à l'heure, j'étais directeur général des services techniques à cette époque, et je me revois en train de reloger des gens dans le quartier de Moulin-Galant qui avaient les pieds dans l'eau. Donc, à partir de 1983, Roger Combrisson, qui avait non seulement la casquette de maire de Corbeil-Essonnes, mais de président du CIARS, a eu la volonté politique de développer une approche très sérieuse des problèmes posés par la rivière, ce qui a débouché en 1984 par la signature d'un contrat régional. D'un contrat régional signé, donc, comme son nom l'indique, avec la région, avec participation financière de l'Agence de l'eau Seine-Normandie, ainsi que du Conseil général de l'Essonne. Et je voudrais rebondir sur le propos de M. le maire tout à l'heure, qui faisait appel, en quelque sorte, à la responsabilisation des habitants et à la prise en main, d'une certaine façon, à l'implication des riverains de l'Essonne sur l'avenir de cette rivière. Il se trouve que nous avions monté ce dossier de contrat régional en réponse à un autre contrat régional qui avait été développé sur l'amont par le syndicat du canton de Mennecy, qui avait royalement ignoré Corbeil-Essonnes et Villabé, et que le Conseil général ne voulait pas financer ce contrat régional. Eh bien, pour obtenir le financement par le Conseil général de l'époque de ce contrat régional, en mai 1983, Roger Combrisson a pris l'initiative de faire signer une pétition par tous les riverains de l'Essonne à Corbeil-Essonnes. Et cette pétition, elle a pesé lourd dans le fait que nous avons obtenu, finalement, l'engagement financier du Conseil général qui était indispensable pour mener à bien le programme de travaux qui s'en est suivi. Ce programme de travaux, il s'est fait de 84 à 88. Nous avons quand même, c'était un programme de travaux de 33 millions de francs. Nous avons quand même sorti sur les 7 ou 8 kilomètres de rivière aval 55 000 mètres cubes de vases, plus de 1000 mètres cubes de non pompables. Nous avons fait toute une série de remises à niveau et d'améliorations de caractéristiques d'ouvrages hydrauliques. Et on a fait aussi quelques aménagements de berges, notamment dans le bief du bras gauche entre la rue de Paris et le boulevard Combe-Marnès. Parallèlement, d'ailleurs, alors ça n'a rien à voir en tant que tel avec le contrat régional, mais puisqu'il y a quelques responsables du canoë-kayak dans la salle et quelques pratiquants, donc nous avons inauguré en 1984, alors ça, c'était pas avec la casquette SIARS, c'était avec la casquette mairie, le parcours de canoë-kayak dans le quartier de la Nacelle, que je pense toutes et tous vous connaissez. Nous avons également développé un programme d'études important. Pendant des années, j'ai tenu absolument, avant de partir tête baissée dans des aménagements plus ou moins bien calibrés ou inopportuns, j'ai tenu, il a fallu que je me batte avec les élus. Les élus, c'est normal,
Ils veulent tous, ils sont pressés, ils veulent répondre, et puis les habitants aussi attendent des réponses concrètes aux problèmes. Sauf que il est important de savoir mettre en équation les problèmes. Et pour définir une bonne thérapeutique en politique et notamment et dans l'environnement, c'est comme dans le reste, c'est comme en médecine, il faut commencer par faire les bons diagnostics. Et quand on part de pas grand-chose, eh bien, il faut consacrer le temps aux études. Et il y a une étude importante qui a été faite à cette époque-là, qui a débouché sur le fait qu'on estimait nécessaire de faire les aménagements dans la traversée de Corbeil-Essonnes pour assurer un débit de 27,5 mètres cubes secondes. C'était la norme qu'on s'est donnée entre 84 et 88, et qui ont débouché sur les travaux suivants. En 1992, il est intervenu une chose importante. C'est le 3 janvier, l'adoption de la deuxième loi sur l'eau. Pourquoi deuxième ? Parce qu'il y avait eu une première loi sur l'eau en 1964. C'est une loi qui avait créé les agences de l'eau, qui s'appelait à l'époque agences financières de bassin. Et qui avait prévu une approche globale des problèmes d'eau par bassin versant. Ça, c'était 64. Et les choses ont été précisées par la deuxième loi sur l'eau du 3 janvier 1992. Cette deuxième loi sur l'eau, elle a créé les notions de SDAGE et de SAGE, de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et de schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Les SDAGE à l'échelle des grands bassins versants, de nos grands fleuves, notamment la Seine, pour ce qui nous concerne, et les SAGE étant des procédures à l'échelle des cours d'eau secondaires, on peut appeler ça comme ça, des affluents des grands fleuves. Alors, en 92, il y a eu la loi sur l'eau. En 1993, il y a eu la loi paysage. En 1995, il y a été promulguée la loi Barnier sur les plans de prévention des risques. Il y a eu beaucoup de... Entre 90 et 95, il y a beaucoup de textes qui sont sortis et qui ont modifié la façon dont on appréhendait ou dont on devait appréhender les aménagements de bassins versants, les aménagements de cours d'eau. En 1992, parallèlement à cette deuxième loi sur l'eau, qui avait d'ailleurs aussi comme caractéristique, pour la première fois, de mettre les communes en situation de responsabilité dans le domaine de la gestion des eaux et notamment de la gestion des cours d'eau. C'est la raison pour laquelle un certain nombre de syndicats intercommunaux se sont créés, parce que s'il y a une réalité qui est évidente et il n'y a pas besoin d'être ingénieur hydraulicien pour se le dire, c'est qu'une rivière, ça ne peut pas se découper en rondelles. Chaque commune ne peut pas développer sa propre politique. On doit absolument travailler de façon systémique. Un bassin versant, encore une fois, c'est un système. Le cours d'eau étant l'épine dorsale de ce système. Donc, implication des communes, et il se trouve, c'était un peu par ailleurs le hasard des choses, mais c'est en 1992 que le CIARS, en quelque sorte, a changé de braquet. Le CIARS a été créé en 1958. Son histoire est d'ailleurs narrée dans un bouquin, celui-là, que certains aiment passionnément. Je me suis fait agresser tout à l'heure par de charmantes dames qui me disent « j'ai pas mon livre, s'il vous plaît ». Donc il n'y en a plus de ces livres-là, mais c'est toute l'histoire de 50 ans de vie du CIARS, de 1958 à 2008. C'est un bouquin qu'on a sorti pour les 50 ans, donc pour le cinquantenaire de la création de ce syndicat.
Alors, quand même, pour ceux qui voudraient le lire, normalement, j'en avais laissé un aux archives municipales. Et normalement, je pense qu'il y en a un autre qui devrait être à la médiathèque. Hein, donc, pour celles et ceux qui voudraient absolument prendre connaissance de ce bouquin qui est très chouette, qui est très bien documenté et qui est très bien écrit, c'est très, très intéressant. Et y a y compris de l'histoire de la ville de Corbeil-Essonnes à travers l'histoire du Sciars, bien évidemment. Donc, 1992, le Sciars se développe, se structure, prend en quelque sorte un peu son indépendance. Jusqu'en 92, c'était une excroissance de la mairie de Corbeil-Essonnes. En 92, le Sciars quitte les locaux de la mairie, s'installe dans des nouveaux locaux quai de la Porte-Paris. Bon, depuis, le Sciars a déménagé maintenant. Il est rue Fernand-Laguide. Donc, je prends la direction générale de ce syndicat et il y a vraiment un très grand changement de braquet. Je n'entre pas dans les détails d'ordre budgétaire, d'ordre organisationnel, des études sont lancées, je le disais tout à l'heure, des outils sont créés, un outil de métrologie appelé Sémaphore, un outil de cartographie appelé Signe, qui est un système d'information géographique, sont mises en place des régies de façon à permettre au Sciars de pouvoir faire de la maîtrise d'œuvre tout en bénéficiant de subventions. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le niveau de technicité du Sciars a été pointu pendant pas mal d'années, parce que le Sciars faisait de la maîtrise d'œuvre. Et quand on fait de la maîtrise d'œuvre, on est d'autant plus performant quand on fait de la maîtrise d'ouvrage. En 1992, est adopté un contrat d'agglomération. Donc, premier contrat de 33 millions de francs en 1984. Deuxième contrat, qui s'appelait contrat d'agglomération, de 300 millions de francs. Hein, qui a été exécuté à peu près à 50%, ce qui est quand même assez exceptionnel compte tenu des enjeux financiers. Dans le cadre de ce contrat d'agglomération, on a travaillé... Alors, les 300 millions de francs, ça n'était pas que sur l'Essonne, il y avait aussi de l'assainissement dedans. Mais on a fait beaucoup d'investissements lourds. Hein, entre 90 et 2000-2005, on a fait beaucoup d'investissements lourds sur la rivière, notamment en termes d'ouvrages hydrauliques. Il y a quelques ouvrages hydrauliques sur Corbeil-Essonnes qui avaient été traités, restructurés dans le cadre du contrat régional. Là, on est remonté sur tout le cours de l'Essonne, hein, puisque on a fait parallèlement adhérer de nombreuses autres communes sur la vallée de l'Essonne au Sciars. Alors, dossier très important qui a été mené par le Sciars. Au départ, ça n'était pas un dossier qui impactait la rivière, mais vous allez comprendre qu'il l'est rapidement devenu. Entre 93 et 95, nous avons réalisé l'un des plus gros chantiers, peut-être le plus gros, je ne sais pas, mais l'un des plus gros chantiers de tuyaux du département de l'Essonne à travers la création de la liaison Essonne-Seine. Voilà, vous avez le plan. Comment les choses se sont passées après les événements de Tchernobyl en 1986? Et après la mise en service de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine, sur l'amont, les pouvoirs publics, État, Agence de l'eau, ont déclenché, entre guillemets, le plan Orsec pour se dire « mais tout ça, c'est bien gentil, mais si jamais il y a un incident et qu'il y a de la radioactivité qui part dans la Seine, comment on alimente la région parisienne en eau potable ?» D'où le projet qui était né de pouvoir alimenter l'usine de Morsan-sur-Seine, qui alimente une bonne partie de la région,
Donc, pouvoir maintenir le niveau de fonctionnement de Morsan avec une pollution notamment radioactive de la Seine qui suppose une autre source d'alimentation en eau brute de l'usine de Morsan. Et est née, au niveau de l'agence de l'eau, l'idée de pouvoir prendre de l'eau dans l'Essonne, effectivement en haut à gauche sur ce plan-là, juste en amont de l'autoroute A6, parce que la loi de l'emmerdement bacchinal fait qu'il peut y avoir un accident dans la cuvette de l'Essonne en même temps qu'il y a une pollution de la Seine. Donc, et puis pouvoir emmener l'eau brute jusqu'à l'usine de Morsan ici. Et lorsque les responsables de l'agence de l'eau et de la Lyonnaise des eaux, propriétaires, ils le sont encore, enfin, c'est Suez maintenant, peut-être plus pour très longtemps, mais ils sont encore propriétaires de l'usine de production d'eau potable. Quand ils sont venus me voir en mairie pour me dire, voilà, ce qu'on veut faire, j'aurais dit, attendez, bougez pas, on va faire d'une pierre quatre coups. Non seulement vous allez pouvoir, vous allez changer l'itinéraire de la canalisation, non seulement on va alimenter l'usine de Morsan, mais on va aussi en profiter pour alimenter l'usine de Corbeil-Essonnes, l'usine Louis Baudouin qui s'appelle Philippe de la Clergerie. Donc on va aussi se donner les moyens d'alimenter l'usine de Corbeil-Essonnes. C'est important, je rappelle que Corbeil-Essonnes est l'une des deux communes, je mets Paris de côté, hein, l'une des deux communes d'Île-de-France à avoir sa propre usine de production d'eau potable. Et c'est sûrement l'une des villes de France, et peut-être la ville de France, qui a la plus grande sécurité d'alimentation en eau potable. C'est pas le sujet de ce soir. Peut-être que le maire décidera d'organiser un jour une réunion publique sur ces questions, mais c'est important. Donc, et puis je dis, troisièmement, puisqu'on prend, on va se donner les moyens de prendre de l'eau de l'Essonne pour lui faire traverser la Seine et venir à Morsan, eh bien, on va, parallèlement à cela, se donner les moyens de pouvoir lutter contre les inondations en écrêtant les crues de l'Essonne et pouvoir pomper une partie du débit de l'Essonne, non pas pour l'envoyer dans l'usine d'eau potable, mais pour l'envoyer dans la Seine. Et quatrièmement, on en a profité à l'époque pour améliorer la desserte en eau potable et en assainissement, aussi bien du boulevard Kennedy sur le haut de Corbeil-Essonnes que sur Moulin-Galant. Donc ça, très gros dossier dont la maîtrise d'ouvrage a été prise par le Conseil général et dont le pilotage de la maîtrise d'œuvre a été confié au CIARS. Et c'est, en ce qui me concerne, dans mes 50 ans de vie professionnelle, le plus gros chantier de tuyaux. J'en ai vécu d'autres à côté, mais le plus gros chantier de tuyaux qu'il m'ait été donné de piloter. Parallèlement à ça, on a signé une convention avec la commission exécutive. Alors, quelques mots sur la commission exécutive, puisque effectivement, l'objet de ce soir, c'est de dialoguer avec les riverains. Les anciens riverains se souviennent qu'il a existé jusqu'en 2013, je crois, une association de riverains qui s'appelait la commission exécutive d'entretien de la rivière Essonne. Survivance du passé. Les textes qui régissent les ce type d'organisme, qui s'appelait souvent d'ailleurs commission exécutive, pas que sur la rivière Essonne, étaient des textes de 1600 et quelques, je me souviens plus, je me suis pas replongé dans mes archives. Et quelle était l'idée fondamentale? C'est que l'Essonne est comme près de 500 000 km de cours d'eau en France, est un cours d'eau non domanial. Qu'est-ce qu'un cours d'eau non domanial? C'est un cours d'eau dont le fond et les berges
sont propriété privée. L'eau, par contre, qui coule, étant publique. Alors ça, c'est propre à la France, ces dispositions-là. On peut considérer que c'est un caractère un peu désuet, parce qu'on est en droit de se dire et de poser la question de la maîtrise publique de l'eau. Hein. Toujours est-il que c'est toujours comme cela. Donc, progressivement, l'État, mais ça remonte loin, avait incité les riverains à s'organiser et à constituer des associations qui avaient pour objet d'assurer le petit entretien de ces cours d'eau. Je dis bien le petit entretien. Et quand, en 1992, donc, j'ai pris la direction de ce syndicat, rapidement, je me suis rendu compte, mais très franchement, je m'en étais rendu compte avant dans mes fonctions municipales, que cette commission exécutive n'était pas très performante. Et en 1993, on a signé un contrat, CIARS Commission Exécutive, et le CIARS est devenu le maître d'œuvre, le conseiller technique et le maître d'œuvre de la commission exécutive. Donc ça a duré une vingtaine d'années. Et ça a permis de coordonner les interventions de la commission exécutive et les interventions du CIARS et de rendre plus efficiente la commission exécutive. Alors comment elle fonctionnait, cette commission exécutive? Elle percevait des taxes. Tous les ans, il y avait un budget qui était élaboré, qui était soumis à enquête publique, avec des subventions d'un certain nombre d'organismes, notamment de l'Agence de l'eau et du Conseil général. Et la part de dépenses non subventionnées était en fait prise en charge par les riverains à travers une taxe. Les anciens riverains ou les anciennes riveraines se souviennent de ces dispositions, encore une fois, jusqu'en 2013. En 2013, malheureusement, je dis malheureusement parce que même si c'est une survivance du passé, personnellement, je pense que c'est dommage d'avoir supprimé cette commission exécutive. C'était une façon de permettre aux riverains de s'organiser, de se faire entendre, de se responsabiliser. Et c'était un acteur important dans la politique globale qui était développée sur le cours d'eau. Mais ça a été supprimé. Alors, la compétence de petit entretien des berges, alors la commission exécutive s'occupait essentiellement de programmes annuels de faucardage prenait en charge l'évacuation des arbres qui, par exemple, dans le cadre de tempêtes, venaient à empêcher, tomber dans la rivière et empêcher le bon écoulement des eaux. Donc la commission exécutive s'occupait des embâcles, pour employer un terme un peu plus précis, du petit entretien des berges. Ça a été repris par le CIARS. Et le CIARS a décidé de prendre en charge ces travaux-là. Alors, parenthèse d'ailleurs, puisque j'évoque ces questions un peu d'ordre financier, le CIARS est une collectivité locale qui a plusieurs budgets. Un budget eau potable qui est alimenté par les redevances eau potable, un budget assainissement qui est alimenté par les redevances assainissement. J'entre pas dans tous ces détails parce que là, il faudrait que je consacre une conférence entière pour vous détailler tout ça. Et la politique rivière est assurée par le budget général. Lequel budget général, indépendamment des subventions, essentiellement sur l'investissement, est alimenté par des participations. Les participations qui sont réglées au CIARS, soit par les communes, soit par les intercommunalités à fiscalité propre, communautés de communes ou communautés d'agglomération.
Pour ce qui concerne Corbeil-Essonne, donc la quote-part imputable à Corbeil-Essonne du budget rivière du CIARS était jusqu'à il y a quelques années prise en charge par le budget communal. Et dans le cadre de l'intégration de Corbeil-Essonne dans la communauté d'agglomération GPS, Grand Paris Sud, la ville de Corbeil-Essonne a escalité, ça je crois que c'est très regrettable, mais c'est ainsi, a perdu toutes ses compétences eau. La municipalité n'a plus, juridiquement, hein, institutionnellement parlant, n'a plus de compétences ni eau potable, ni assainissement eau usée, ni assainissement eau pluviale, ni aménagement de berges de Seine, ni aménagement et gestion de l'Essonne. Donc c'est GPS qui prend en charge ses participations financières. Les règles du jeu étant, mais je parle là sous le contrôle de Monsieur le maire qui siège bien évidemment au conseil communautaire et qui est beaucoup plus en prise que moi sur ces questions, mais dans la dernière période, le conseil communautaire, dans le cadre du vote du budget, a décidé de créer une nouvelle taxe, la taxe GEMAPI. GEMAPI, c'est la gestion des milieux aquatiques. Hein. Donc il y a une nouvelle taxe qui a été créée et qui va venir impacter le budget, les budgets des habitants à travers la fiscalité locale, de façon à permettre des recettes supplémentaires à GPS qui, encore une fois, se substitue à la mairie de Corbeil-Essonne pour la prise en charge de la quote-part des travaux d'aménagement et de gestion de la rivière Essonne. Je poursuis mon petit historique. En 1997, il y a eu une étude très importante que certaines personnes connaissent ici qui s'appelait l'EPAGRE, étude préalable à l'aménagement global de la rivière Essonne. C'est la première étude qui permettait de mettre en perspective l'ensemble des enjeux sur le devenir de la rivière. Ça a débouché en 2002 sur l'adoption d'un nouveau contrat, troisième contrat, après le contrat régional de 84, le contrat d'agglomération de 92. En 2002, on a signé un contrat de bassin de 372 millions de francs, qui, là, lui, a été exécuté pratiquement en intégralité. Parallèlement à ça, en 2002, a été signée une convention de gestion des espaces naturels sensibles avec le Conseil général. En juin 2004, chose très importante, qui a quand même permis de faire avancer la lutte contre les inondations, le CIARS a été agréé dans le cadre d'un appel à projet qui avait été lancé par le ministère de l'écologie et du développement durable, et qui a débouché sur la signature de PAPI, les programmes d'action de prévention des inondations. Donc c'était un programme de mémoire de près de 7 millions d'euros. Ça a été signé en 2004 et ça a été exécuté de 2004 à 2012 environ. D'ailleurs, le CIARS actuellement est en train d'initier un nouveau PAPI. En 2004, nous avons, permettez-moi de faire un petit cocorico, nous avons remporté le Grand Prix régional de l'environnement pour l'ensemble de la politique développée par le CIARS, notamment en matière de rivières. En 2007, un organisme Arsène Notation nous a délivré le label Terre durable avec la meilleure note à l'issue d'un audit, avec la meilleure note jamais attribuée à une collectivité. Ma conférence à Canwater en 2006, j'en ai parlé tout à l'heure. Brossé à grands traits jusqu'en 2010-2012 l'histoire du syndicat, qui convient effectivement de prolonger par une ambition politique affirmée.
Récemment, Monsieur le maire est devenu premier vice-président du CIARS. Et à ce titre, nous avons eu une série de réunions de travail avec le président du CIARS ces derniers mois, de façon à faire avancer les choses, notamment sur le front des inondations et sur le front plus global de la rivière sur fond de réchauffement climatique. Dans ce domaine-là, comme dans d'autres, il faut absolument raisonner à l'horizon 2050. On ne peut pas avoir du retard sur l'événement. Si gouverner, c'est prévoir, eh bien, c'est le moment de le démontrer. Dans la mesure où la dernière crue de 2016, elle était quand même assez extraordinaire, cette crue. J'avoue que moi-même, je n'y croyais pas trop aux conditions dans lesquelles ça s'est fait. C'est une crue qui s'est faite au début du mois de juin. En règle générale, les crues sont des crues d'hiver, de fin d'hiver ou de début de printemps. Hein, là, on a une crue début juin. Je pense que c'est du jamais vu. Et donc, on va aller vers des phénomènes de cette nature récurrents et de plus en plus graves. De même que... mais ce qui m'inquiète encore plus pour le devenir de l'Essonne, c'est même pas le risque d'inondation, pardonnez-moi, mais c'est la sécheresse. Je crains qu'à l'horizon, j'en sais rien, 2030, 2040, je ne sais pas bien, mais je crains qu'il y ait des étés très très chauds et très très secs. Bon, je pense que vous suivez tous les travaux du GIEC, par exemple. Ah ben d'ailleurs, tiens, puisque je parle du GIEC, il se trouve que l'un des responsables du GIEC, Jean Jouzel, que vous l'avez tous vu à la télévision, il a fait l'introduction d'une conférence que j'avais faite qui s'appelle « Amaniman, la géopolitique de l'eau », une conférence d'1h40. Je sais qu'il y a des gens dans la salle qui ont ce DVD-là. J'en ai quelques-uns là, j'en ai pas autant qu'il y a de participants. Mais les passionnés qui ne connaissent pas cela et qui veulent remplacer un James Bond un dimanche soir tranquillement chez eux par le fait d'écouter Jean-Luc Cambrisson à supposer qu'ils n'en aient pas eu marre de mon intervention de ce soir. Donc j'ai quelques exemplaires que je peux distribuer à la fin de la conférence. Donc... je parlais du GIEC et des perspectives en matière de réchauffement climatique et je crains qu'à plus ou moins court terme, on se retrouve avec des étés où il n'y aura pas une goutte d'eau dans l'Essonne. C'est pour ça que je suis de ceux qui attirent l'attention du CIARS sur la nécessité d'appréhender les problèmes d'effacement d'ouvrage, puisque les pouvoirs publics demandent aux syndicats de rivière d'effacer les ouvrages au nom du fait d'assurer la continuité écologique qui est notamment la continuité piscicole et la continuité sédimentaire. Sauf qu'il ne faut pas confondre effacement et suppression. Et puis il faut bien prendre garde au fait que les ouvrages de la vallée de l'Essonne sont là depuis plusieurs siècles pour certains d'entre eux, que donc la nature s'est adaptée, que l'homme a développé ses activités, ses politiques d'urbanisation, de construction, etc., en tenant compte de tout cela. Ce qui fait d'ailleurs que, je ne l'ai pas dit, mais j'aurais pu aussi commencer par cela, la rivière Essonne, certes, c'est un milieu naturel en tant que cours d'eau, mais c'est une rivière anthropisée. Anthropisée de anthropos, hein, rien à voir avec l'entropie chimique, c'est-à-dire artificialisée. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que tous les ouvrages hydrauliques,
Il y a une, il y a 150, en prenant y compris les petites vannettes sur les rues et autres, et il y en a 150, plus de 150 sur le bassin versant, il y a une quarantaine de complexes hydrauliques relativement importants sur la rivière Essonne. Ces ouvrages hydrauliques, ils ont bien évidemment été faits par la main de l'homme pour utiliser l'énergie générée par la rivière. Donc la rivière, d'une certaine façon, a été artificialisée. Elle n'a pas été canalisée, par exemple, mais elle a quand même été artificialisée. Et pour que les ouvrages hydrauliques soient efficaces, les propriétaires, au fil du temps, ils ont relevé les berges en amont. Parce que comme la production d'énergie est proportionnelle à la hauteur de chute, pour augmenter la hauteur de chute, on a surélevé les berges. Des berges qui sont dans un milieu tourbeux. Ça aussi, j'aurais peut-être pu en parler au départ. L'une des caractéristiques de la rivière qui font sa fragilité, c'est le substrat tourbeux dans lequel elle s'écoule. Pas à l'extrême aval de Corbeil-Essonne, mais rien que dans le secteur de la papeterie ou de la nacelle, par exemple. À la nacelle, il y a 12 à 15 mètres de tourbe. Hein. Il faut l'avoir en tête. Ce qui d'ailleurs était une gajure quand on a fait le parcours de canoë-kayak pour faire quelque chose qui tienne la route. Et on a dû innover complètement en mettant de côté tous les bureaux d'études de Français de Navarre à l'époque. Donc, rivière fragile et artificialisée. Quelles sont les autres sources d'artificialisation? Les 2 ou 3 000 hectares d'étangs et de marais. La plupart d'entre eux sont artificiels. Ce ne sont pas des étangs naturels ou des marais naturels. Ils sont issus de l'exploitation de la tourbe. C'est des anciennes tourbières. Hein. Donc, ouvrages hydrauliques, berges surélevées, tourbières, ça m'amène à insister sur le fait que cette rivière, elle est artificialisée. Et comme elle est artificialisée, elle est en situation de déséquilibre. Il faut qu'on soit vigilant et qu'on continue à intervenir sur cette rivière, car même si c'est de la nature, il faut qu'on l'aide. Je pourrais en parler encore longtemps de ce genre de choses, mais je vais devoir en terminer avec cette présentation. Donc, si vous avez des questions, parce que dans le temps qui m'était imparti, que j'ai peut-être un peu dépassé d'ailleurs, je ne peux pas vous faire un exposé complet qui mériterait plusieurs heures en évoquant en détail les aspects financiers, les aspects juridiques, etc. Juste que, en tant que riverain, donc, vous êtes concerné. Au même titre que des non-riverains, mais qui sont dans la vallée de l'Essonne, par la problématique des inondations, par exemple, hein, bien évidemment. Vous êtes concernés notamment, je pense, aux pêcheurs, aux amoureux de la nature, aux pratiquants du canoë-kayak, sont concernés par les problèmes de qualité des eaux. Alors, de l'eau en elle-même et de la biodiversité, je ne m'étends pas sur la biodiversité, car ça prendrait du temps. Donc, vous êtes concerné par tout cela, et juridiquement, les textes disent que l'entretien des berges, il doit être assuré par les riverains. Donc, c'est d'autant plus vrai aujourd'hui qu'il n'y a plus de commission exécutive pour s'occuper du petit entretien, qu'un certain nombre de riverains sont confrontés au problème de refaire leur berge, par exemple. On peut évoquer plus en détail ces questions-là dans le cadre d'un jeu de questions-réponses, si vous le souhaitez. Voilà, en essayant de ne pas être trop long, ce que je pouvais dire ce soir d'essentiel, j'ai sûrement fait quelques oublis, mais concernant cette rivière et dans la mesure de mes possibilités
même si je suis en retraite depuis une dizaine d'années, je ne suis plus directeur général de ce syndicat. Si je peux répondre à vos questions, je le ferai avec plaisir. Eh bien voilà, je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas encore une fois à poser des questions. Bon, merci, merci Jean-Luc. Prends une chaise ou t'as ton petit tabouret là. Écoutez, il est 8h moins de quart, on peut se prendre 3 quarts d'heure. Je l'ai dit, ce soir, c'est une première. Et vous avez compris que la volonté politique de la municipalité était qu'on en fasse une affaire commune de cette rivière et qu'il y avait un risque, c'est que si vous vous en mêlez pas, d'abord, les élus que nous sommes, on soit seuls à relever des défis compliqués. Jean-Luc en a parlé, et que on ne crée pas même les rapports de force ou de débat avec le CIARS, on a des rapports de débat avec le président, les élus, des enjeux complexes, hein, parce que vous voyez sûrement l'Essonne, Corbeil-Essonne est la ville la plus impactée, puisque on a la confluence avec la Seine, notamment sur les enjeux d'inondation, et donc les débats de financiers sont complexes. Tous les maires veulent faire un petit peu de berge chez eux, ont des enjeux d'assainissement, etc. Mais nous, on a le pompon, et donc c'est une bataille. Ce sont des débats entre les élus, quand on fait le budget du CIARS, de savoir qu'est-ce qui revient à Corbeil-Essonne. Mais les enjeux sont sûrement les plus considérables chez nous, et Jean-Luc a su depuis des années, mais depuis 2 ans que nous sommes ici, nous former et nous montrer les enjeux. Donc il y a dans les débats avec le CIARS, mais pas simplement, le départ. Moi j'étais vice-président à l'environnement au département quand tu dirigeais le syndicat, on a fait des belles choses ensemble. À l'époque, le département, la région, l'État, à travers de l'agence de l'eau, avait des budgets beaucoup plus importants pour la rivière. Et avec la réduction des politiques publiques de ces 20 dernières années, le département, la région, l'État mettent beaucoup moins d'argent pour l'entretien des rivières. Et dans un département comme l'Essonne, c'est considérable, puisque nous sommes un département de rivières, Jean-Luc l'a dit, Lierre, l'Orge, l'Yvette, la Jouine, l'Essonne, etc. Et donc, voilà, il y a un manque à gagner. Et donc, si on veut relever les défis climatique, d'assainissement, d'entretien des berges, etc. Tu ne l'as pas évoqué, mais on fera sûrement des conférences que là-dessus. D'épuration, c'est-à-dire qu'on est sur 2 stations d'épuration aujourd'hui, celle du CIARS, justement, donc hein, vous voyez où elle est. Juste à côté, celle de l'agglomération d'Évry. Celle du CIARS est saturée aujourd'hui. Heureusement, quand Jean-Luc a travaillé à l'époque, à refaire la station d'épuration, il y a un bypass qui permet, quand elle est saturée, d'envoyer les rejets sur celle d'Évry. Mais on a une urbanisation dans tout le secteur qui va continuer. Il n'y a pas de station d'épuration sur la rive droite. Ça a été un choix politique à l'époque pas très juste, puisqu'ils ont beaucoup construit vers tout ce qui est Sénart, sans station pour les vides d'épuration. Et donc, l'épuration passe sous la Seine pour aller rejoindre nos stations. Donc, des enjeux qui sont devant nous considérables, parce qu'une station d'épuration, il y a rarement un maire qui dit « chouette, j'en veux une », et à travers le maire, les habitants. Et puis, des enjeux financiers considérables. Ça coûte cher, une station d'épuration. Donc, toutes ces questions-là sont nos sujets, nous, d'actualité aujourd'hui. Je ne vais pas être plus long que ça. Des enjeux, vous l'avez compris, politiques, avec une agglomération qui n'existait pas comme cela avant. En gros, à l'époque, le maire de Corbeil, du temps d'ailleurs de Roger, présidait aussi le CIARS. Il avait le CIARS, sa ville, et il allait chercher de l'argent au département, à la région. Il n'y avait pas d'agglomération. Aujourd'hui, on a une agglomération, par lancer le débat politique, nous, on ne l'a pas souhaité comme ça, mais on l'a, Grand Paris Sud, qui tend à se mêler de plus en plus de plein de sujets, notamment, vous le savez, nous sommes passés, ça, nous, on l'a accepté en régie publique de l'eau, ça, c'est toute la partie eau potable, mais cette agglomération, elle vise de plus en plus à s'occuper de l'assainissement, d'accord ? Et donc, il y a des enjeux politiques, mais au sens noble du terme, c'est quid du CIARS ?
Si, par exemple, nous, on disait, bon, bah, allez, on Corbeil-Essonne, on se mêle avec l'agglomération de tous les enjeux d'assainissement, ça remettrait en cause l'existence même du CIARS, alors que nous, on pense aujourd'hui qu'on en a vraiment besoin, et pour l'assainissement, mais pour la gestion de la rivière. Voilà. Vous voyez, c'est plein d'enjeux complexes comme ça, et ce qu'on souhaitait avec tous les élus de la majorité, il y en a d'autres qui sont arrivés, il y a Hélène Pavamani qui est au fond de la salle, eh bien, c'est de notre responsabilité de vous donner tous ces éléments pour que vous maîtrisiez ces enjeux qui sont considérables. Donc voilà, je ne suis pas plus long. Ce soir, c'est une étape. Il y aura d'autres réunions. Et on a envie que ça vous appartienne, en fait, aussi. C'est-à-dire que nous, les élus, on ne fait que vous représenter. On souhaite vous redonner le pouvoir d'agir sur la rivière. Pour ça, il faut comprendre de quoi on parle. Donc on a un petit peu de temps, c'est génial, vous allez pouvoir poser toutes vos questions, donner vos avis, vos interrogations. Nous, on en reçoit plein à la mairie, hein, des questions, et on pensait que c'était bien de pouvoir échanger ensemble. Voilà, toutes les questions sont bonnes à poser. On a ici un des plus grands experts en France, ça donne plein d'espoir. Je sais la différence d'âge qu'on a. Et quand je te vois et la pêche qu'il a pour pouvoir nous aider à réfléchir, à se mêler de tout ça, ben on a de belles années devant nous. Et donc, osez poser toutes les questions, toutes celles que vous n'avez. Ouais, et en matière de rivière, il faut de la pêche, Jean-Luc, oui. Voilà, soyez pas. N'ayez pas honte, posez toutes les questions que vous n'avez jamais osé poser sur la rivière Essonne. On est là pour apprendre ensemble. Hein. Voilà, donc allez-y, je ne sais pas. Voilà, des questions. Merci de donner un micro. Vous allez vous présenter. Hein, oui, bon, oui, et oui, où vous habitez. Il marche, enfin, sans... il marche pas. Si, il marche. Il faut mettre bien, parler fort, comme okay. Ça. Et dites où vous habitez, parce que ça nous permet de créer une petite communauté des riverains de la rivière. Allez-y. Oui, bonsoir. Ben, je m'appelle Pierre-Amir Janov. Je réside sur le quai de l'Essonne, si bien nommé. Mes fenêtres donnent sur les canards, sur l'eau, sur Les cygnes, au bout de la rue Jean-Jacques Rousseau, dans le centre-ville. Voilà. Voilà, et je suis très heureux de participer ce soir à cette première réunion sur un grand projet. J'ai trois points à dire. Le premier sont des remerciements. Merci, monsieur le maire, d'avoir organisé cette initiative, parce que je pense qu'elle était attendue, notamment par mes voisins, par beaucoup de gens avec lesquels je converse. Merci aussi à tous les élus, d'ailleurs, de votre majorité, mais je vois aussi de l'opposition, présents ce soir et donc qui s'intéressent au sujet. Merci aux personnels communaux, je vois qu'ils sont nombreux aussi, qui s'y intéressent. Ça, c'est le premier point, les merci. Alors, deuxième point, le non merci. Parce que je m'étonne quand même de l'absence du président Dugoin, monsieur Dugoin, qui est président du CIARS, qui n'est pas présent ce soir sur une réunion qui est lancée par vous depuis plus d'un mois, d'ailleurs. Le CIARS, dont le siège est situé sur la commune de Corbeil-Essonne, l'Essonne qu'il doit voir à peu près tous les jours, je suis quand même très étonné de son absence. Et c'est un peu comme s'il ne s'intéressait ni à la ville de Corbeil-Essonne, ni à l'Essonne, d'ailleurs. Mais naturellement, dans les jours qui viennent, il saura nous démontrer le contraire, bien évidemment. Heureusement que son absence a été très largement compensée par la brillance de l'exposé de M. Combrisson, qu'on remercie tous d'ailleurs pour tout l'intérêt qu'il vient de nous donner sur ce projet. Et puis d'ailleurs, je ne remercie pas non plus l'absence de Grand Paris Sud, qui se cache pour créer encore une nouvelle taxe d'ailleurs, dont on va encore se poser bien des questions pour l'avenir. Voilà. Sur l'utilité ou non-utilité d'ailleurs de cette superstructure dont on ne comprend pas très bien le fonctionnement. Et troisième point, monsieur le maire, je vous remets en main propre une petite contribution des voisins du quai de l'Essonne sur un certain nombre de sujets que vous connaissez, bien évidemment. Je ne vais pas prendre plus de temps pour les exposer, car nous aurons le plaisir, je pense, d'en reparler très bientôt. Merci. D'accord. On va prendre plein d'interventions comme ça, puis on réagira en toute indépendance. Et Jean-Luc, avec son propre regard, le mien. Juste un petit mot sur Xavier Dugoin, c'est que on travaille ensemble. Je suis pas là pour le défendre, vous le connaissez, c'est un monsieur qui a pas besoin de personne pour se défendre. Mais voilà, donc en tout cas, il y a discrètement une personne des services qui est là. Donc et puis on travaille. On a en tout cas, voilà, je suis satisfait des relations que j'ai avec le président du CIARS. C'est-à-dire que, non mais je le dis, voilà, ce soir, on l'entend, en même temps, je représente aussi le CIARS, je ne me cache pas, et des fois, avec ma liberté de vote,
Et en tout cas, grâce à tous les élus, Sylvie, les services, comme vous l'avez dit, évidemment Jean-Luc, on a tellement de sujets qu'on pourrait aborder ce soir. On pourrait même avoir des soirées, et on le fera que sur des parties de la ville. Quand je vois Sylvie, Flore, Muriel, Arnaud et Jean-Luc, par exemple, on a passé des heures et des heures de travail sur toute la partie de la papeterie, puisque quand nous sommes arrivés aux affaires, on s'est aperçu que, et le Sciarce d'ailleurs, et Bouygues devaient de l'argent à la ville, on a découvert ça, et qu'on a, pour une part, récupéré, et qui vont permettre de faire des travaux très importants sur là où il y avait Pomme-Chou, vous connaissez, toutes les constructions Bouygues, des enjeux considérables. On pourrait faire une soirée que là-dessus. En tout cas, nous, on compte pas nos heures de travail là-dessus. Hein. Voilà, donc, avec Xavier Dugoin, je le salue, on travaille étroitement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on demande de se voir, on se voit. Je pense qu'il n'a jamais autant passé de temps que ces 22 derniers mois à Corbeil-Essonnes, en tout cas, pour parler de la rivière. Et donc, on travaille. Voilà. Donc, il n'est pas là ce soir, mais je souhaite saluer le travail qu'on a avec lui, parce qu'on est plutôt dans une démarche de coopération, parfois de débat et de rapport de force, parce que tout ça coûte des millions, quoi. On pourra donner le chantier de la rue Remoinville, on pourra en parler. Dès qu'on est sur ces sujets, ce n'est pas 50 000 euros, quoi. C'est des sommes considérables. D'accord ? Donc, voilà pour cela. Voilà, mais vos questions, je ne vais pas lire votre note, on la connaît d'ailleurs. Il y a eu une réunion avec la ville de Sciarce, chez vous, il y a quelques mois, c'était une promesse, on l'a fait, puisqu'il y a des endroits, et on voudrait avoir vraiment votre avis, où les berges s'écroulent, tombent, avec des risques considérables. J'en donne un, moi j'habite rue du Troupatrix, donc tout près de Saint-Spire. Eh bien, j'ai un nouveau voisin, Alexandre Marin, nouvel élu qui est arrivé tout à l'heure, qui est là, et à l'endroit de la place du marché, c'est Jean-Luc d'ailleurs qui me l'a montré, moi je ne l'avais pas vraiment vu, tout le quai de l'Essonne tombe. Vous voyez, hein, donc entre Citia, l'agence immobilière, et le marché, il y a le quai de l'Essonne, à l'endroit du pont, hein, de la rue Ferret. Eh bien, si vous irez voir, il y a une faille qui s'agrandit, qui s'agrandit, parce qu'il y a un grand trou sous la rivière. Hein, et donc, si on n'y prend pas garde, ça tombera. Alors, heureusement, nous allons refaire dans un an toute la place du marché et la halle. Et du coup, dans ce cadre-là, le Sciarce est associé à la ville et à l'agglomération pour ses travaux. On va évidemment empêcher que ça tombe. Donc des enjeux considérables. Donc toutes les questions que vous posez au niveau du quai de l'Essonne, on les travaille. On en a parlé d'ailleurs, hein, Sylvie, à la dernière réunion avec Xavier Dugoin. On a pointé avec des, je le dis aussi, pour ça qu'il faut s'entourer d'experts comme Jean-Luc, qui n'est pas qu'un expert, qui s'intéresse aussi aux enjeux politiques. Et c'est aussi, je crois, des coupes d'arbres, je le dis, hein, qui ont eu lieu il y a quelques années, qui ont fait que chez vous, les arbres qui tenaient les berges, eh bien, ne les tiennent plus. Et donc, il y a des enjeux, voilà. Alors, du coup, il ne faut pas se cacher, parce que des fois, on aimerait ne faire semblant de ne pas le voir, parce que rattraper des berges, c'est tout de suite des sommes considérables. Donc, on dit, bon, ben, on ne voit rien, sauf qu'il y a des enjeux de sécurité énormes et que, d'ailleurs, la responsabilité pénale du maire peut être aussi engagée sur des enjeux comme cela. Donc, allez-y. Donc, on travaillera tout ça. Vas-y. Oui, juste sur l'absence du Sciarce et GPS. Et alors, la volonté de la ville, c'était de réaliser cette première réunion uniquement avec la ville de Corbeil-Essonnes, sans le Sciarce et GPS. D'où voilà la raison pour laquelle, c'est la raison pour laquelle ils ne sont pas là. Donc, effectivement, il y aura une autre réunion qui sera organisée par le Sciarce sur cette question aussi, au mois de juin, je crois. Je n'ai pas la date exacte, mais voilà. Donc, voilà, s'ils ne sont pas là, c'est effectivement, pour une bonne raison, c'est qu'ils n'ont pas été invités. Ils le savent, voilà. On a souhaité, comme dit Arnaud, comment dire, alors moi j'ai tous les trois casquettes, j'ai la mairie, le Sciarce et l'agglomération, donc je discute dans toutes ces institutions, mais on voulait une réunion, d'abord entre nous aussi, les Corbeil-Essonnois, comprenez c'est important pour que vous nous donniez votre sentiment, et que quand on discute avec le Sciarce, hein, ou l'agglomération, on soit aussi porteur de votre regard. Et les Corbeil-Essonnois ont des enjeux particuliers. Hein, je crois que je l'ai dit, et donc on veut défendre aussi les intérêts des Corbeil-Essonnois dans les débats du Sciarce et de l'agglomération. Hein. Voilà, donc, alors allez-y, hein, vous gênez pas. Monsieur, présentez-vous, on vous donne un micro. Vous êtes pas, je vous connais pas très loin de la rivière, mais allez-y.
Bonsoir, je suis monsieur Marc, j'habite au 11 rue de Robinson, donc je suis sur la berge. J'avais deux questions. Un arbre est tombé sur la passerelle passage Pomereau, endommagé. Le garde-corps est complètement dessoudé. Qui doit la réparer? C'est une compétence SIARS. Alors c'était quand cet incident? Il y a plus d'un an. C'est ça. Donc le garde-corps est complètement plié, la passerelle est complètement corrodée. Alors, est-ce que... On n'aura peut-être pas forcément toutes les réponses ce soir, mais tout dépend d'abord, je pense, d'où vient l'arbre. Mais vas-y Jean-Luc, peut-être sur cette question précise tout de suite. Oui, deux niveaux de réponse. Premier niveau de réponse, le propriétaire de la berge sur laquelle l'arbre était planté et est tombé a la responsabilité d'enlever l'arbre. Si un arbre provoque, ou d'autres éléments, pas forcément un arbre, des problèmes sur une passerelle, ce qu'il faut savoir, c'est que le SIARS peut intervenir sur les passerelles. Il lui arrive d'ailleurs de faire de la maîtrise d'œuvre ou du mandat de maîtrise d'ouvrage sur des travaux de passerelle. Mais il faut bien avoir en tête que le SIARS n'a pas de compétence intrinsèque au plan juridique sur les passerelles. De même que sur les ponts, d'ailleurs, hein, parce que la question pourrait être soulevée si un pont est en mauvais état ou autre. Le SIARS, en tant qu'outil technique, peut contribuer à apporter des réponses, peut y compris intervenir pour le compte d'eux, dans des conditions à définir. Mais en tout état de cause, les passerelles et les ponts sont du ressort de la commune pour les passerelles, de la commune pour les ponts situés sur les voies communales, et pour l'État lorsque les ponts sont sur des routes nationales, ou le département lorsque les ponts sont sur des voies départementales. Ou la communauté d'agglomération maintenant lorsque ce sont des voiries communautaires. Hein ? Voilà. Voilà. Alors si après il y a interface entre... un problème, un dégât en quelque sorte, provoqué sur une passerelle par un arbre qui tombe, là, il faut que l'ensemble des acteurs se réunissent et puis voir, y compris après, dans quelle mesure ne peuvent pas intervenir telle ou telle assurance, par exemple. Et d'ailleurs, moi, ça m'aurait arrangé comme maire que les passerelles, ça puisse être le SIARS. Parce que, par exemple, celle où j'habite, donc entre la rue de la Barre, la rue du Troupatrix, il y a une passerelle au-dessus des Saônes qui n'est vraiment pas en forme, toute rouillée, qui pourrait être très jolie, mais qui ne l'est plus. Et si on veut la travailler, c'est sur le budget de la ville. Ce n'est pas le SIARS qui doit s'occuper de cette passerelle. Le deuxième point, les sorties d'ovoïdes. Parce que je suis sur le bras de l'Essonne, donc Combe-Marnès, rue de Paris, route 97, qui sont complètement remplies de boue et de feuilles, c'est pratiquement à fleur d'eau. Compétence? Alors ça, la compétence réseau d'assainissement, aussi bien en matière d'eau usée que d'eau pluviale, je le rappelle, hein, on est en système séparatif. Hein, un certain nombre de collectivités sont en unitaire. C'est le cas de Paris et de la Petite Couronne, par exemple, hein, où les unitaires, ça veut dire que les eaux usées et les eaux pluviales vont dans les mêmes égouts. C'est ce qu'on appelle couramment parlant le tout à l'égout. Par contre, quand j'entends parler de tout à l'égout à Corbeil-Essonnes, je sors ma Kalachnikov parce qu'on n'envoie surtout pas tout à l'égout. On envoie des eaux usées dans les égouts d'eau usée, des eaux pluviales dans les égouts d'eau pluviale. On envoie ou on devrait envoyer, parce que malheureusement, le séparatif n'est pas toujours respecté. Toujours est-il que pour en répondre directement à votre question, la compétence réseau d'eau pluviale et d'eau usée est exercée sur Corbeil-Essonnes par le SIARS. Ce qui fait d'ailleurs l'importance du lien, parce que on a beau être le maire, savoir exactement où on en est de l'entretien de tous ces réseaux, d'abord y compris hein, Muriel, quand on n'a pas forcément tous les agents et les techniciens en mairie pour le vérifier, on s'en redonne au SIARS et on veut être sûr que voilà, on ait une information transparente sur l'état de nos réseaux. Et c'est l'une des raisons d'ailleurs des inondations, c'est quand il y a beaucoup évidemment d'eau qui tombe d'un seul coup, eh bien l'eau ne circule mal et ça déborde sur la voirie. Donc
nécessité d'entretenir en permanence l'ensemble de nos réseaux. C'est tout, merci. Merci pour votre présentation en tout cas. Merci, merci, super. Alors, tout le monde va pouvoir parler. Allez, monsieur, tiens, juste devant, là, merci. Après, j'ai vu les mains se lever. Oui, oui, Philippe, au fond. Bonsoir, monsieur Austrey de Moulin-Galant. Je voudrais justement, pour les réseaux, on n'a pas dans l'impasse de la place le réseau d'eau pluviale. Il n'y a que le réseau d'égout. Donc, attendez, situez-moi à Moulin-Galant, je vois bien, mais où ? L'impasse de la place, c'est l'impasse qui est le plus près de Villabé. D'accord, ok. Et dans cette rue-là, il n'y a vraiment que les eaux usées, mais pas les eaux pluviales. Alors, on note tout, mais peut-être que Jean-Luc a une connaissance, mais alors est-ce que tu te rappelles ? Oui, alors, impasse de la place, j'évoquais tout à l'heure, pardonnez-moi d'évoquer des souvenirs personnels, mais c'est difficile de déshumaniser les choses. L'impasse de la place, c'est là que, en 1983, plusieurs maisons avaient été inondées, s'étaient retrouvées les pieds dans l'eau. En 2016 alors, aussi, hein, je vous rassure. Alors, en 2016, pardonnez-moi, je n'étais pas aux responsabilités, j'étais dans ma retraite avant que le maire de Corbeil-Essonnes ne vienne m'en tirer presque de force. Donc je ne connais pas le détail hein, de tout ce qui s'est passé lors de la crue de 2016. Par contre, celle de 83, je m'en souviens bien, c'est moi qui ai relogé en particulier une pauvre dame impotente. Enfin bon. Impasse de la place, ben oui. Il y a des voiries de Corbeil-Essonnes, des voiries non équipées en eau usée, je ne pense pas. Hein. Tout le monde n'est pas raccordé sur les eaux usées. Il y a encore des fosses septiques, et notamment sur les coteaux, il y a des gens qui sont en partie basse de voiries qui ne sont pas forcément raccordés sur le réseau d'eau usée. Par contre, en matière d'eau pluviale, oui, il y a quelques voies à Corbeil-Essonnes qui ne sont pas équipées en égout d'eau pluviale. Donc ça, là aussi, ça ressort de la responsabilité du CIARS. Il faut lui soumettre le problème, faire examiner sur le plan technique comment se pose le problème et quelle est la nature des travaux qui peuvent être faits. D'ailleurs, c'est quelque chose, ça Arnaud Duverne suit ça notamment, mais le CIARS a lancé une procédure de révision du schéma directeur d'assainissement, et justement, c'est le moment ou jamais d'intégrer ce genre de questions. Il est important d'ailleurs que l'ensemble des Corbeil-Essonnois, s'ils observent des malfaçons, des mauvais fonctionnements de réseaux d'assainissement, que ce soit en eau usée ou en eau pluviale, c'est le moment de faire remonter ça en mairie de façon à ce que les éléments puissent être transmis au CIARS. Nous avons d'ailleurs, je crois que c'est la semaine prochaine, me semble-t-il, hein, le 19, je crois, je me retourne vers Flore Sattarade, il y a une réunion de travail organisée par le CIARS sur l'actualisation du schéma directeur d'assainissement, et c'est le moment ou jamais de faire remonter au syndicat tous ces problèmes. Et d'ailleurs, je vérifie avec Arnaud, vous pouvez noter son mail, parce que du coup, c'est directement, il aura l'information, arnaud.duverne, D-U-V-E-R-N-E, @mairie-corbeil. Voilà, vous pouvez lui demander. Non, c'est important, parce que nous, ça nous arrange que les agents, merci Arnaud, Muriel Armstein, puissent savoir directement les... Donc, n'hésitez pas, nous, quand on travaille, vous voyez, par exemple, le problème que vous avez pointé, moi, je ne l'avais pas en tête, c'est aussi, on dit c'est le CIARS, mais c'est aussi de la responsabilité de la commune de faire son travail et d'informer le CIARS des questions posées, quoi. Voilà, merci. Alors ensuite, madame, présentez-vous. Bonjour, je suis Sylvie Capron. J'aurais juste une petite question. Alors, donc vous êtes riveraine de la rivière, c'est juste... Oui, tout à fait. Ouais, donc je suis sur les allées de l'Essonne, voilà, dans le secteur de Robinson. Et conseillère municipale, pareil. Voilà. Donc j'aurais voulu savoir, j'ai bien entendu effectivement que c'était aux riverains d'entretenir les berges. Moi, ma question, ça aurait été... Concernant les berges qui bordent les jardins familiaux, de quelles compétences, ainsi que les berges qui bordent tout le secteur où il y a l'école Paul Bert.
Voilà, j'aurais voulu savoir quelles compétences, s'il vous plaît. Est-ce que c'est la ville ? Sur ces berges-là, comme sur les autres, alors moi, je n'ai pas forcément la réponse précise, mais en termes de principe, l'entretien des berges doit être assuré par le propriétaire des dites berges. Alors, si c'est une berge communale, c'est la commune. Si c'est une berge privée, c'est le propriétaire privé. Alors, j'avoue que, bon, je connais bien Corbeil-Essonne et Pils-Sierre, mais je n'ai pas en tête les berges que vous évoquez le long des jardins. Quelle propriété c'est ? J'avoue que là, je ne sais pas. C'est la ville, là. C'est la ville. Et vous voyez, et d'ailleurs, je le dis, Madame Capron, vous connaissez bien, vous étiez élue dans la majorité avant. Et donc, toutes ces questions des berges, ben, on n'en aura jamais autant parlé déjà que ce soir. Et nous, on fait l'inventaire de toutes nos berges, comme par exemple celle de la place du marché, qui tombe dans la rivière, et qu'on a effectivement un inventaire à faire, ce que Pierre a pointé tout à l'heure, sur Quai de l'Essonne. Et donc, effectivement, il faut que nous, on assume notre responsabilité de toutes les berges qui sont propriétés communales. Ça peut être des bailleurs aussi, hein, parfois, des copropriétés privées. Et là, il y a un inventaire sur la ville de toutes les berges. Sylvie lève les yeux au ciel parce que ça coûte un bras aussi. Et d'avoir une vraie connaissance et d'avoir presque un plan prévisionnel d'investissement pour se dire dans les années qui viennent quelles sont les urgences à traiter pour l'entretien des berges. Et donc vous avez raison de poser la question. Il y a aussi celles qui appartiennent évidemment à la ville. Hein. Merci beaucoup. Voilà, Philippe, le temps que le micro arrive vers le fond, tu peux y aller, vas-y. Oui, permettez-moi de rebondir là, sur la question des berges. Le fait qu'on dise que c'est du ressort des propriétaires l'entretien et les réfections de berges ne veut pas dire que les riverains peuvent faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent. Hein ? Alors, ça va sans dire, mais ça va encore mieux en le disant. Je dis ça d'autant plus que j'ai observé ces dernières années des travaux de berges dont j'estime qu'ils ne sont pas heureux. Alors, comme ça n'est qu'un problème d'esthétique, bon, on peut considérer que c'est pas très grave, mais quand les berges, certains riverains en profitent pour déplacer leurs berges et empiéter sur la largeur de la rivière, alors là, ça, c'est beaucoup plus embêtant. Parce que ça peut nuire à la capacité d'écoulement des eaux en section courante. Et donc, faut pas s'amuser à ça. Donc, lorsque un riverain a une berge à refaire, alors, en fonction de l'importance des travaux, Il peut être nécessaire que le riverain fasse une déclaration au service de l'État. Hein. Je rappelle que je ne l'ai pas dit, mais bon, il y a tellement de choses que... ou autrement, il aurait fallu que je prenne votre temps jusqu'à 3 heures du matin. Mais la police de l'eau est exercée par l'État. Hein. C'est une chose qui est importante. Et lorsqu'il y a des déclarations qui sont à faire, elles sont à faire à l'État. Ou quand il y a des autorisations à obtenir, elles sont à obtenir de l'État. Lorsqu'il y a des travaux importants à réaliser sur des berges, ça fait l'objet, y compris d'enquêtes publiques et de déclarations d'intérêt général édictées par les services préfectoraux. Hein. Donc, lorsqu'une berge est à refaire, je pense que le plus logique est de prendre contact avec le CIARS. Non pas que le CIARS va se substituer aux riverains ni pour prendre en charge ni pour exécuter les travaux, mais ne serait-ce que pour donner des conseils. Des conseils quant à la démarche qui est à suivre. Hein, exemple, faire une déclaration. Ou même si les travaux sont pas très importants et qu'il n'y a pas de déclaration, il me paraît positif que le riverain se rapproche du CIARS qui donne son accord, qui donne son avis sur
la technique à utiliser, les matériaux à employer, pourquoi pas éventuellement donner une liste d'intervenants, d'entreprises susceptibles de faire les travaux. Mais donc, le CERS est un acteur incontournable face à ce genre de questions, mais les déclarations à faire et les autorisations à obtenir sont à faire auprès des services de l'État. Le temps que Philippe pose sa question, et un riverain qui dit « Tiens, moi, j'ai la rivière qui passe devant moi, je ne touche pas à la berge, mais je fais un petit ponton au-dessus pour, jusqu'à la moitié de la rivière dont je suis propriétaire, pour pouvoir boire un coup sur un ponton au-dessus de la rivière. Est-ce que c'est possible ?» Non. Pourquoi non ? Parce que un riverain a une jouissance de sa berge, mais il n'a pas le droit d'empêcher le bon écoulement des eaux. Donc tout ce qui engage... Alors, il ne peut pas empêcher le bon écoulement des eaux, mais il ne peut pas non plus empêcher la circulation des engins non motorisés de type barque ou canoë-kayak, donc qui sont autorisés à naviguer sur la rivière. Donc, un riverain ne peut pas empêcher ni le bon écoulement des eaux, ni la circulation des engins autorisés, notamment, je vous dis, les barques et les, essentiellement les barques et les canoës-kayaks. Alors donc, le cours d'eau non domanial est navigable pour ce type d'embarcation. Par contre, il faut savoir que les gens n'ont pas le droit de descendre sur une berge privée et puis d'aller prendre l'apéritif sur le terrain du particulier propriétaire de la berge. Hein. Et d'ailleurs, il y a une cohabitation. Moi, à partir de 1992, les choses se sont améliorées, mais quand j'ai pris le poste de directeur général, j'ai commencé par faire des réunions entre des riverains, des pêcheurs et des kayakistes, qui étaient en soi des réunions sportives. Hein, parce que bien évidemment, il y a des conflits d'usage, tout le monde n'a pas le même intérêt. Le kayakiste qui veut naviguer avec un maximum de liberté, le pêcheur qui veut être tranquille et que le poisson soit pas dérangé par le kayak qui passe, et puis le riverain qui revendique sa propre tranquillité au bout de son jardin quand il fait chaud l'été, il met les pieds dans l'eau. Bon, on voit qu'il y a des conflits d'usage. Alors il y a des équilibres qui sont à trouver. Mais en tout état de cause, pour répondre très directement à votre question, un riverain ne peut pas empêcher ni le bon écoulement des eaux, ni la circulation des engins qui sont autorisés à naviguer sur les cours d'eau non domaniaux. Merci. Philippe Gaudry. Oui, bonsoir, monsieur Gaudry. J'habite rue de la Poudrerie, donc je ne suis pas un riverain tout à fait, mais je fais partie d'une association du quartier qui a donc les berges de l'Essonne. Donc tout ce qui touche l'Essonne nous touche. Donc trois questions, même quatre. La première, donc il y a déjà eu des réponses, savoir quel est le but exact de cette soirée. Est-ce que c'est de sensibiliser les riverains à leurs droits et devoirs? Est-ce que c'est à la ville de dire nous on a des projets, on veut informer les habitants? Est-ce que c'est aussi une pression gentille auprès de GPS ou du CIARS, comme je viens de l'entendre? Savoir vraiment qu'est-ce que ça peut amener positivement, bien sûr. Peut-être juste là-dessus, parce que comme ça, après, juste parce que c'est, on en a déjà dit beaucoup. Le but, c'est que, sûrement d'ailleurs pour nos débats avec le CIARS et Grand Paris Sud, si vous n'êtes pas au milieu, au cœur du débat, c'est un débat d'élus et élus, et vous, ça vous passe au-dessus. Et donc, fidèle à ce que nous pensons, cette majorité municipale, c'est que on ne souhaite pas régler les problèmes à votre place parce qu'on sait qu'on n'y arrivera pas. On veut vous donner toutes les clés. Donc ça, c'est ce soir, point de départ d'une première réunion où vous avez les clés. Jean-Luc a dit que dans le passé, il y avait une commission exécutive, qui était une association,
Hein, et là, on vous laisserait faire, mais on vous aiderait même. Il peut de nouveau y avoir une association ou pas, mais un lien entre tous les riverains. Moi, je suis persuadé que si on retrouvait une association des riverains de la rivière Essonne, on recherchait une carte avec Arnaud, mais enfin, sur Corbeil, c'est un nombre de riverains. Tous les habitants de Chantemerle, par exemple, sont riverains. D'ailleurs, il y avait une question sur les réseaux sociaux avec des pompes. Disons, qu'est-ce que c'est que ces pompes qui vont dans la rivière Essonne? Ça fait un nombre d'habitants considérable. Et donc, voilà, c'est aussi un enjeu démocratique à ce que les riverains s'organisent pour défendre, poser des questions, maîtriser et pas faire n'importe quoi aussi sur la rivière Essonne. C'est ça l'objet de la réunion. Donc, c'est pas d'abord de dire on rentre en guerre avec le CIARS par du tout. Je souhaite que le CIARS soit nous, à travers les élus, et que l'agglomération, pareil, ce soit nous. Mais ça, ça se travaille. Vas-y, oui, Philippe. Donc, trois trucs rapides. Donc, en tant que riverain du moulin de Falampin, donc nous, on sera vigilants, enfin, être partenaire de savoir ce que ça deviendra dans 5, 6, 7, 10 ans. Je pense qu'il n'y a rien tout de suite. La deuxième... Juste sur le moulin Falampin, parce qu'on vous doit la transparence. Pour l'instant, la décision qu'on a prise, c'est plutôt d'abord de le sécuriser. On a dit non depuis 22 mois à tous les promoteurs qui sont venus nous proposer tous les projets inimaginables. Madame, elle fait non, on aura dit non, nous sommes d'accord. Par exemple, il y en a qui nous disaient, laissez-nous construire sur le côté, et puis on vous refait presque gratuitement le moulin, on vous le remet à neuf, avec quoi, combien, 200 logements à côté. On fera pas ça. On a décidé, depuis 22 mois, on a fait tomber les box qui étaient à côté. D'ailleurs, ils étaient pleins d'amiante, ça nous a coûté un petit billet. Mais on a mis par terre ces box qui étaient squattées. Hein, c'est juste en face de chez Jean-Luc. Donc, il est attentif à ce qu'on fait aussi. Et donc, on a démoli les box. Le but, on a dans l'idée, mais on fera une réunion avec les riverains quand ce sera le moment, de faire tomber, on va faire tomber le mur maintenant qui est moche entre là où il y avait les box et le moulin, d'accord ? Parce que c'est l'un des plus beaux endroits de la ville, où la rivière est magnifique, où il y a potentiellement un espace vert, et avec Sylvie Dayani, qui dira un mot tout à l'heure, nous souhaitons multiplier le nombre, notre architecte dirait, des îlots de fraîcheur, d'endroits où on respire, où on déminéralise les sols, et là ils étaient minéralisés là où il y avait des box. Rendre des parties de territoire en pleine terre et en faire peut-être un endroit avec des horaires d'ouverture et de fermeture où les gens pourraient venir se poser sur un banc au bord de la rivière, en faire un espace public nouveau, agréable, et où on fermerait le soir pour pas empêcher les riverains de dormir si les gens voulaient rester. Voilà, exactement. Et pour l'instant, on a gelé. Il y a bien des idées sur le moulin, mais zéro projet à l'heure d'aujourd'hui et surtout pas de promoteur à cet endroit. D'accord. Oui, ça c'est de mémoire, j'en suis pas sûr que ça existe encore. C'est les rives privatisées, je pense au passage Pomereau, boulevard Combernès. Est-ce qu'il y a des rives de l'Essonne qui sont plus ou moins fermées au public ou est-ce que ça appartient aux riverains? Oui, enfin, peut-être que Sylvie Dayani veut intervenir. Vous évoquez les berges qui sont fermées à la circulation publique entre le boulevard Combernès et la rue de Paris. En gros, enfin, hein, passage, c'est ça, Pomereau, hein. Hein. Passage, voilà. Pomereau. Après, le passage Pomereau. Oui, alors donc, ces travaux-là ont été faits, les travaux de berge ont été faits dans le cadre du premier contrat dont je parlais tout à l'heure, le contrat régional qui a été mis en œuvre entre 84 et 88. Hein. Et on a réduit la largeur du bras, là, en faisant de nouvelles berges. Pourquoi on a réduit la largeur du bras? C'est que ce bras gauche, globalement, dans sa continuité, a des capacités en débit inférieures à celles du bras droit et qui sont limitées. Et plus à débit équivalent, plus on fait passer l'eau dans un bras de grande largeur, plus l'eau circule lentement. Et quand l'eau circule trop lentement, il y a des phénomènes de décantation. C'est-à-dire que ce bras qui a été curé dans le cadre du contrat régional, si on l'avait laissé
dans ses dimensions d'origine, peut-être qu'aujourd'hui, on devrait de nouveau complètement le curer parce qu'il se serait envasé. Donc, voilà les raisons pour lesquelles ces travaux-là ont été faits. Alors, on avait aussi, à l'époque, envisagé qu'il puisse y avoir une circulation publique. Bon, les riverains se sont manifestés, ont pétitionné, y compris parce que, bon, forcément, et comme toujours, quand dans les fonds de parcelles, il y a des gens qui ont accès facilement, il y a eu des maisons de volée, il y a eu, etc. Donc il a été décidé de ne rien toucher à la conformité des berges, mais d'empêcher la circulation publique sur ces berges-là. Historiquement, voilà ce qui s'est passé à l'époque, il y a un peu plus de 30 ans de ça. Le dernier, c'est qu'il y avait un projet une dizaine d'années de faire une navette entre Lavoisier et puis le cloître Saint-Spire, une navette de touristique. Est-ce que ça pourrait être remis à l'ordre du jour ? En tout état de cause, pour l'instant, on n'a pas un projet, mais on a remarqué que pendant le confinement, il n'y avait jamais eu autant de personnes en bateau sur la rivière Essonne. En tout cas, moi, j'en ai jamais vu passer autant devant chez moi. Et donc, il y a, en tout état de cause, on est quelques-uns, partage ça aussi avec Arnaud, d'avoir beaucoup navigué ces deux dernières années. Moi, j'ai fait beaucoup de canoë sur la rivière. C'est chouette. On voit complètement la ville d'un autre regard. Ça donne envie, c'est vrai, de la rendre un peu plus accessible avec tous les conflits d'usage qu'il peut y avoir avec les riverains. Mais ça donne un petit peu envie. Et puis Claude Rose a demandé la parole parce qu'on va lui donner après. Il y a l'enjeu du kayak, du partage de la rivière. Donc pour l'instant, il n'y a pas de projet. On n'est pas dans l'interdiction de... On n'en a pas le pouvoir d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il y a des choses à faire. Alors est-ce que c'est... je pense que ça s'organise un petit peu. Il peut y avoir des sorties organisées, des jours où on permet la balade, et puis y compris de pouvoir la commenter, parce qu'on voit plein de choses du point de vue de la rivière. Claude Combrisson, après Claude Rose. Oui, Claude Combrisson, Corbeil-Essonne Environnement. Ces 30 dernières années, on a assisté à la construction de nombreuses opérations immobilières avec des parkings enterrés pratiquement dans le lit de l'Essonne, pas seulement dans l'île de l'Essonne et plus généralement dans Corbeil. Hein, Corbeil, l'Essonne, c'est une ville de nappe, mais la nappe est présente partout dans Corbeil. Donc on aimerait savoir ce que vous pensez de la prolifération, peut-être encore à l'avenir, de constructions immobilières avec des parkings enterrés. Et puis, à vous entendre tout à l'heure, gouverner, c'est prévoir. Quand on voit éventuellement toutes ces opérations immobilières à venir, et qu'on les corrèle avec les problèmes d'assainissement existants via les stations d'épuration, est-ce que, sans être outrancier, on ne pourrait pas dire « il faut construire d'abord une nouvelle station avant de continuer d'urbaniser ». Merci. Des questions passionnantes qu'on discute régulièrement, et avec Jean-Luc d'abord, et avec le CIARS, et entre nous les élus. Et donc, il s'agit pour nous effectivement de prévoir, même d'ailleurs, on va travailler un PLU bioclimatique à 2050. C'est ça qu'on a avec nos architectes et nos urbanistes. On essaie d'avoir une vision à long terme et en même temps de répondre aux questions qui nous sont posées aujourd'hui. Claude Combrisson connaît parfaitement et les dossiers des Grands Moulins, les dossiers d'Hélio Corbeil et d'autres, Et donc, je crois que l'intelligence, c'est à la fois de faire bouger la ville, d'accueillir de nouveaux habitants. Le pari que nous faisons, d'ailleurs, c'est que si on prend le dossier d'Hélio, la surface des 4 hectares est aujourd'hui urbanisée, minéralisée à 95%. C'est-à-dire que là, pour le coup, l'eau ne peut pas s'infiltrer dans les sols. Les paris que nous faisons sur les deux sites... c'est qu'il y aura beaucoup plus de parcelles de ces deux endroits déminéralisées, puisqu'on va redonner beaucoup d'endroits où la terre, de pleine terre, où l'eau pourra donc s'infiltrer dans les sols, beaucoup plus qu'aujourd'hui, où si vous regardez les Grands Moulins, il n'y a pas un bout de verdure et Hélio non plus. Donc voilà, et donc parfois, faire muter ces sites industriels
pour de l'équipement public, du logement, eh bien, ça peut être aussi d'avoir une maîtrise foncière qui permet de déminéraliser ces parcelles. C'est à ça qu'on travaille. Il y a la question des parkings. D'abord, moi, alors, je ne suis pas ingénieur, mais enfin, on s'informe. Il n'est pas interdit non plus de faire des parkings. Les techniques ont aujourd'hui considérablement évolué, mais c'est effectivement... Il faut être prudent. Ce qui a été fait, par exemple, sur la place du cinéma Arcel, a créé des dommages sur des bâtiments qui ont dû être... ils en sont aujourd'hui, en tout cas, les personnes... Comment ? Ça a été réhabilité, mais ce qui a été creusé a créé des dommages considérables. Tout le projet immobilier qu'il y a autour du square d'Alimier a créé des dommages considérables. Donc il ne s'agit de pas faire n'importe quoi, et pour le long terme, mais aussi pour le court terme. Donc voilà, on est sur l'étude, nous, de plusieurs endroits de parking. On a de nouvelles idées de parking en silo qui nous empêchent, qui ferait qu'on ne creuserait pas. Mais il y aura sûrement aussi des parkings où on creusera. Et tout ça s'étudie. Mais par exemple, moi je donne mon avis sur le projet de Promogérim de l'ancien tribunal. Il était prévu un parking beaucoup plus profond qui n'aurait pas forcément endommagé le cours d'eau l'Essonne. Il devait y avoir 500 places de parking. Moi j'aurais préféré qu'il y ait 500 places que les 100 aujourd'hui, parce que le nombre de logements construits n'a pas bougé, mais l'ancienne municipalité a laissé le propriétaire ne faire que 100 places et pas 500. Tout simplement parce que ça coûte cher. Si on veut faire les choses correctement, ça coûte évidemment très très cher le parking souterrain. Et on a laissé le promoteur faire le même nombre de logements qu'avec 100 places de parking. Donc vous voyez, bonne question. Tout ça, c'est ça qu'il faut qu'on prenne en compte dans les projets à venir. Des promoteurs, et je le dis aussi, promoteur, c'est pas un gros mot, puisque beaucoup d'entre nous habitons ou avons habité dans des logements qui ont été construits par des promoteurs. Par contre, la prétention que nous avons, c'est que on arrête de jouer et que les promoteurs ne feront plus ce qu'ils voudront dans cette ville. Et d'ailleurs, la date a été fixée dans un mois et demi. Nous allons dans cette salle faire signer une charte qui a été votée au conseil municipal d'engagement des promoteurs, et on attend des dizaines et des dizaines de promoteurs qui viendront la signer, où le message est de dire les promoteurs qui n'auront pas signé la charte, qui ne seront pas engagés sur la qualité durable de leur construction, ben, ils auront peu de chances de construire à Corbeil-Essonnes. Donc voilà, c'est un bras de fer, un débat qu'on engage dans une société où la propriété privée, ça existe aussi. Et donc, des questions politiques majeures. Qui maîtrise le foncier dans notre pays ? Voilà, c'est des questions complexes. Mais effectivement, ces questions sont posées aujourd'hui. Merci, Claude. Claude Rose, après Jacques Picard. Puis après, on a prévu un pot. Donc, on pourra boire un verre, pour ceux qui le souhaitent, en discutant notamment avec Jean-Luc et d'autres. Donc, mais on finit tous ensemble. Il est 32. Vas-y, Claude Rose. Non. Bah, tu vas prendre un micro. D'autant que c'est enregistré que les Corbeil-Essonnois nous regardent. Alors Claude Rose, je suis membre du club de canoë-kayak de Corbeil depuis 85. Fédération aussi. Oui, je suis aussi membre à la Fédé. Voilà. Et là aujourd'hui, je parlais de les travaux. Tout à l'heure, Jean-Luc, tu parlais d'ouvrages. Et je voulais une question. Un ouvrage qui était prévu dans les années 2007 par le CIARS, auquel on a participé, nous, le comité départemental, à l'élaboration du dessin de cette... À quel endroit ? À l'espace papeterie. D'accord. L'ouvrage qui est à l'espace papeterie. Aujourd'hui, c'est vraiment une friche. C'est pas joli. Et je voudrais savoir où en sont les travaux, qu'est-ce qui est prévu, et où on va... Est-ce que c'est bientôt, ce projet va aboutir ? Alors, on ne va pas rentrer dans les détails là, mais on a repris beaucoup ce dossier. C'est celui dont je parlais tout à l'heure. Hein. Oui. Il était prévu beaucoup de choses et quand nous sommes arrivés, tout était arrêté. Des passerelles, des travaux de berge, passe à kayak. Hein. C'est une passe mixte. Hein, c'était... Oui. Ouais. Et puis passe à poisson, etc. Tout ça a été un peu arrêté. Du coup, ça a été des négociations, en tout cas avec Bouygues, d'avocat à avocat. Il a fallu négocier.
Et rappelez-vous, juste avant que nous ne gagnions les élections, il y a un mur qui est tombé à l'endroit de la papeterie, qui était un des derniers vestiges de patrimoine industriel. Il est tombé. Ce qui a permis d'ouvrir un contentieux, d'ailleurs, avec Bouygues, et qui avait des droits à construire. Et on dit les choses, on a eu un débat serré pendant plus d'un an. Et on a permis que se construise ce qui devait se construire que si, il y a eu un protocole d'accord, il n'y a rien de secret, qui a été voté au conseil municipal, qui fait que Bouygues nous redonne quelques millions d'euros qui nous permettent de faire notamment tout un tas de travaux on a prévu de remettre à l'ouvrage la passe à kayak à cet endroit. Mais il y en a pour des années de travaux. Ah oui. J'ai bon espoir, Flore, que ça commence les premiers. Non, pas sur la passe, sur les premiers travaux de passerelles et de berges. L'année prochaine, hein, on est là-dessus. Parce qu'il y a beaucoup d'études à faire. Et donc, on a bon espoir que, en tout cas, dans le mandat, c'est sûr. On va avancer comme ça, dans les 4 ans. Oui, laquelle passerelle? Oui, celle qui... parce que notre volonté, ça a été de retrouver la dans tout ce secteur. Hein, mais tout le monde ne le connaît pas bien, mais allez voir, parce que c'est potentiellement très beau. Mais nous, on pense que Bouygues a un peu massacré tout le secteur. On a laissé Bouygues massacrer tout le secteur. On veut retrouver la continuité piétonne. Et donc, on a eu des débats, d'ailleurs. Parfait, merci, tu es adorable, Arnaud. On peut démarrer. Par exemple, vous voyez là, ici, c'est là où il va y avoir un nouvel immeuble qui était prévu. Hein. Ils étaient presque déjà vendus, les appartements. Nous, on a stoppé ce projet. Ça a été tendu avec Bouygues parce que chaque jour qui passait... Il perdait de l'argent sur des droits à construire et presque des appartements ou loués déjà ou vendus. Et nous, on a tenu bon. Ça a duré un an et demi. Jean-Luc nous a beaucoup aidés. Je pense même qu'on aurait pu être encore plus exigeant, je le dis, hein, avec Bouygues, mais bon. Et là, donc, ça va être construit à gauche. Et on a gagné le fait qu'il y aura une passerelle. Parce que si on construit à l'endroit du mur qui est tombé, c'est exactement le mur qui est tombé, là, hein, celui-là. Oui, c'est celui-là. Juste avant les élections. Un matin, une pelleteuse est venue faire tomber le mur. Vous avez remarqué que de l'autre côté, il n'y avait pas de continuité de la rivière, à droite. Eh bien, on a négocié une passerelle devant l'immeuble qui va être construit à l'endroit de la rivière. Il y aura une passerelle qui fait qu'on pourra assurer la continuité piétonne. Donc c'est un nouvel ouvrage qui va être fait, adossé à l'immeuble neuf. Et en fait, on va avoir la continuité piétonne avec tous les projets qu'on a, mais on vous les présentera, vous voyez, c'est un dossier qui est en train d'être travaillé, je vous en donne une petite, c'est un dossier compliqué. Nous avons découvert quand nous sommes arrivés, vous voyez la maison de maître qu'il y a à l'entrée de la rue où il y avait Pomme Chou, il y a une belle maison de maître, enfin elle est belle, elle mériterait des travaux. Et cette maison de maître, on a découvert qu'il y avait plein de permis de construire qui avaient été accordés, construisait des immeubles tout autour, à l'endroit où il y a deux bras de l'Essonne, là. Bah oui. D'accord ? C'est potentiellement très joli. Aujourd'hui, c'est très moche, d'autant plus qu'à la place de Pomme Chou, il y a un terrain vague. Nous, ça nous fait pas rire parce qu'il y a une école toute neuve. Et depuis 5-6 ans que cette école est ouverte, les gamins vont à l'école dans un no man's land, alors que ça pourrait être un des plus bels endroits de la ville. Et donc on est en train, mais je ne veux pas rentrer parce que c'est des négociations compliquées, on voudrait que ces permis de construire tombent. Mais il y a des gens qui, évidemment, attendaient de l'argent de ces permis de construire. Voilà, on est sur un travail de fond sur tout ce secteur. Mais dans le travail de fond, il est prévu dans les années à venir les passerelles, le passage pour le kayak et la continuité des berges. Voilà ce que nous sommes en train de travailler. Et on vous le présentera quand on aura un peu avancé. Voilà. Alors on a aussi un petit souci, c'est l'été. Par exemple, au club, tout à l'heure, on parlait de cohabiter. C'est le bassin d'eau vive que Jean-Luc t'a dit tout à l'heure, là, qui date de 82. C'est une piscine municipale. Alors, donc on ne peut plus avoir d'activité que c'est marqué baignade interdite. Alors, c'est dangereux. C'est dangereux. Donc. Parce qu'au fond, comme le bras où il y a le kayak polo, moi j'ai déjà assisté à des gens qui laissaient baigner leurs enfants dans la rivière à 10 mètres de la vanne à clapet où après il y a un rappel et un rocher. Et là, les gamins, ils se baignent, là, à la sortie du kayak polo. Et là, il y a quelque chose qui est aberrant. Là. Alors, je vais faire vite, parce que je vois que des gens sont... C'est plutôt sympa de finir tous ensemble. Après, le dernier va être Jacques, Sylvie. Okay. Et puis après, on va s'en tenir là. Juste sur ça, nous, on arrive en juillet, le 4 juillet, Claude. Oui.
On arrive le 4 juillet et c'est une base de loisirs, oui. Sans règlement, donc un truc de fou. Malheureusement, un homme a été poignardé. Il s'en est sorti, mais enfin, gravement blessé parce qu'il était insupporté par le bruit. Il est descendu voir les gens, il s'est fait agresser. On a commencé comme ça la première semaine du mandat. Et on a pris des mesures pour que l'année d'après, ça a été quand même beaucoup plus simple. Oui. Hein. On a créé une plage pour 200 000 euros parce qu'en même temps, oui. Ce qui est compliqué, vous voyez, c'est que Claude, toi et moi, on se connaît. Oui. On a les moyens de partir en vacances l'été. Et on va au bord de l'eau ou à la montagne. Et c'est compliqué pour le maire que je suis et l'équipe municipale de dire, de toute façon, nous, on part en vacances. On va mettre des policiers partout. Et puis là où il y a de l'eau, les gens n'ont pas le droit d'y aller. Vous voyez, je trouve pas ça juste. Alors, on a fait un choix politique de mettre 200 000 euros dans une belle plage à Robinson, une plage urbaine, où il y a eu 60 000 passages pendant l'été, 11 000 personnes différentes, qui, pour beaucoup d'enfants, était le seul moyen d'avoir des vacances. Et on a eu un été à l'endroit de Robinson beaucoup plus calme cette année que l'autre. Nous allons recommencer l'opération. Et le but, c'est qu'effectivement, on respecte la nature et la rivière à l'endroit du parcours canoë-kayak, que les kayaks puissent recirculer. Mais pour ça, il faut aussi apporter une réponse à des gens qui ne quittent pas la région parisienne, dans des étés caniculaires et où c'est tellement... facile et agréable de jeter sa tête dans l'eau, quoi, vous voyez. Donc, c'est tout ce travail qu'on est en train de faire. Donc, le but, c'est que Robinson retrouve le calme, mais qu'on permette aussi aux gens d'avoir des vacances. Je parle surtout sécurité. Oui, mais sécurité, d'abord, s'il y a un problème, en plus, c'est sur moi que les parents ne laissent pas les enfants se baigner à l'endroit où il y a la vanne à clapet. Voilà. Ça. Mais ça, on ne peut pas mettre non plus un escadron de CRS en permanence pour empêcher. Et donc, il y a besoin de pédagogie, il y a besoin d'information, et c'est tout ça qu'on est. Et ça prend du temps. Voilà. Okay. Allez, alors, Jacques, après on arrête, hein, d'accord, parce que je vois le monsieur, puis après on arrête. Et Sylvie, Jacques, vas-y. Attends, j'avais juste une réflexion, une question. Une réflexion, c'était sur la commission technique, la commission exécutive. Je pense que l'idée d'un groupe de travail permanent des riverains me paraît extrêmement intéressante, que ce soit sous une forme formelle ou informelle, donc je n'y reviens pas. Deuxième chose, c'est que Jean-Luc Combrisson a parlé tout à l'heure de la nécessité de se situer dans le cadre des échéances du GIEC à l'horizon 2050. Et donc tu l'as fait en montrant une photo d'une rivière Essonne qui serait à sec. Mais l'autre scénario, puisqu'on sait que le réchauffement climatique, c'est l'augmentation de tous les paroxysmes, l'autre scénario, c'est un scénario de catastrophe d'inondation. Est-ce que tu peux dire, puisqu'il y a un papy qui va être refait, tu l'as annoncé, est-ce que tu peux dire sur quoi on travaille comme scénario catastrophe de ce point de vue-là? Peut-être, parce que sinon tu le relances pour une heure, donc après il faut... Non, je blague, mais juste sur comment on va travailler cette question. Oui, tu as raison. Il y aura vraisemblablement des épisodes d'inondation de plus en plus graves et de plus en plus fréquents, au même titre qu'il y aura des épisodes de forte sécheresse et donc de très basses eaux. Face à ça, ça veut dire qu'il faut faire les études nécessaires. Concernant les inondations, le CIARS travaille à un papy d'intention. Hein, donc ces problématiques-là doivent être prises en compte dans le cadre de ce travail. Et par rapport aux menaces de basses eaux et de sécheresse, je pense que là, il y a des études qui sont à mener. Comme je suis fraîchement depuis quelques jours, comme je suis de plus en plus jeune, j'ai de plus en plus de travail, et il y a non seulement la mairie de Corbeil-Essonnes, mais le CIARS qui m'a attribué une mission de conseil. Depuis quelques jours, à ce titre, bien évidemment, que je conseillerais le CIARS dans la nécessité de bien mettre en équation l'avenir, de faire des prévisions, alors qui ne sont pas faciles à faire, bien évidemment, savoir ce que sera le climat de l'Essonne. Parce qu'on sait bien que le réchauffement climatique, il ne sera pas uniforme partout, les conséquences ne seront pas les mêmes partout, etc. Et que donc, c'est très difficile de faire des prévisions, mais il faut quand même essayer de les faire, et il faut mettre en équation
des risques de débit encore plus importants que ceux qu'on a connus en juin 2016 et de même mettre en équation des risques de débit encore plus faibles que les débits d'étiage qu'on connaît aujourd'hui. Donc il y a là un schéma directeur qui est à développer et qui pose le problème des interventions sur l'amont. Parce que c'est pas à Corbeil que la réponse à ces questions-là, elle se situe. Elle se situe sur l'ensemble du bassin versant. Elle se situe sur l'amont. Il faudrait faire quelque chose qui n'a jamais été fait, et c'est tabou, aller regarder un peu ce qui se passe dans la forêt d'Orléans. Quelle politique de la forêt il a été menée ? Par exemple, c'est un sujet tabou, ça. Hein ? En matière d'agriculture, là aussi, il va falloir peser vis-à-vis du monde agricole, et ça pose tout le problème de la politique agricole menée en France, hein, avec des modifications de politiques dans ce domaine et des enjeux phénoménaux. On voit d'ailleurs rien que ce qui se passe en ce moment avec l'Ukraine. Et, ce sont des sujets qui sont très importants, qui mettent en jeu une multiplicité d'acteurs, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille rien faire. C'est pas parce que le problème est important qu'on ne peut rien faire. Bien au contraire, c'est parce qu'il est important qu'il faut prendre le taureau par les cornes. Et ça passe par des études à faire à l'horizon 2030, 2040 et 2050. Mais je ne peux pas en dire plus ce soir. Je ne peux pas être plus précis. Alors, dernier monsieur, puis on arrête après. Vous aviez levé la main. Allez-y. Présentez-vous. Vous habitez où ? Donc, Gérald Skocker. J'habite avenue Carnot, en face de l'ancienne fondation d'Assault. Donc, quand vous traversez le pont, c'est la berge où il y a cette très jolie barque verte et blanche. Là, et ce petit ponton que je ne retirerai pas, ça, c'est sûr. qu'est-ce que je veux dire ? Oui, il y a quelques jours, il y a eu des ramassages des détritus dans Corbeil-Essonne. Oui. Apparemment, ça a eu un franc succès. Donc, moi, j'ai ma question, est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose pour nettoyer le lit de la rivière ? Donc là où tous les riverains pourraient participer, sachant qu'il faudrait peut-être abaisser le niveau de la rivière pendant un week-end, par exemple, faire ça à une période où l'eau est claire, donc plutôt juillet-août. Voilà, puis mettre à contribution le CIARF, toutes les personnes concernées. De chez nous, c'est très facile, sans baisse l'eau, de nettoyer car à tout, on peut retirer. Parce que lorsqu'on passe au-dessus des ponts de Corbeil-Essonne, c'est un désastre. Le nombre de patinettes, de vélos qu'on voit, de ferrailles, de poubelles, c'est une poubelle, cette rivière. Hein. Alors, on a, merci, parce que je partage, on a ça en tête. Mais c'était pour ça que bien qu'on crée une communauté des riverains de la rivière, même si la rivière, elle intéresse tout le monde, mais il fallait commencer par ceux qui l'ont sous le nez tous les jours. Et donc, on a fait le nettoyage, c'était un succès, oui. 500 personnes ont participé à nettoyer la ville. D'ailleurs, moi, j'ai fait juste à l'endroit du pont de la rue Ferret. Il y a, là où il y a le marché, il y a un petit terre-plein au bord de la rivière. D'ailleurs, il y avait une canne d'ailleurs avec 12 œufs. Et on est descendu à 3. On a rempli 3 énormes sacs poubelles. Parce que les jours de marché, j'ai l'impression que tout le monde jette tout par-dessus. Et là, il y avait, c'était impressionnant. Et donc, on fera ça. Ça peut se faire aussi en bateau, etc. Il y a effectivement un grand nettoyage de la rivière. Ceux qui nous ont alertés d'ailleurs là-dessus, ça a été à un moment donné, c'était une mode, les pêcheurs avec des aimants là, qui ramassaient le fer. Et c'est impressionnant ce qu'ils ont. Le nombre de caddies, par exemple, qu'il y a dans la rivière Essonne, c'est impressionnant. Et donc, c'est l'opération qu'on fera, on le fera, permettra aussi de montrer... La fragilité de la rivière et de dire de la même façon qu'on jette rien par terre, on jette rien dans l'eau et on voit tous des fois des gens qui boivent une canette, ça nous rend dingue, qui la jettent dans la rivière. Et donc voilà, on veut être une ville où on jette rien ni par terre ni dans l'eau. Donc on fera cette opération de nettoyage. Peut-être Sylvie, je pense que tu voulais dire un mot, vas-y. Alors, sans revenir évidemment sur tout ce qui a été dit ce soir, et notamment les points forts,
qui font que aujourd'hui on prend conscience qu'on est une communauté autour de cette rivière. La rivière, c'est aussi un enjeu en termes de biodiversité. C'est ma délégation et donc elle représente un marqueur très fort en termes de biodiversité et de présence de la nature dans la ville. Grâce à cette rivière, on peut bénéficier aussi d'une composante importante qui est le cirque de l'Essonne. Voilà, c'est un bien commun. Je reviens aussi sur l'intitulé en fait de cette conférence. La rivière est un bien commun. Il nous faut effectivement se pencher sur son avenir et son devenir tous ensemble. Je crois que c'est déjà bien parti par l'organisation et votre présence ce soir. Voilà, merci à tous. Alors, pour répondre enfin à dernier mot, c'est que on va voir, bon, c'était enregistré, donc vous pouvez retrouver toute cette conférence et nos dialogues seront ad vitam aeternam sur le site de la ville. Merci à celles et ceux qui nous ont suivis en direct. Ceux qui n'ont pas laissé leurs coordonnées, faites-le sur les cahiers d'émargement, puisqu'on va voir pour qu'il y ait un compte-rendu. Et notre idée, c'est que vous puissiez même être en contact les uns avec les autres. Donc, sauf ceux qui ne seraient pas d'accord, vous pourriez échanger vos coordonnées. Nous, on les a toutes, du coup, maintenant, puisque vous avez laissé. Mais c'est que si vous voulez faire des choses sans la ville, vous avez le droit, évidemment. Donc, de créer une communauté, c'est que vous échangez aussi vos contacts. Vous voyez ? Nous, on va réfléchir à partir de ce soir, mais vous pouvez nous faire des propositions. Il faut toujours qu'il y ait des gens qui aient envie, plus que d'autres, de s'en mêler. Hein, et par exemple les élus, les services, on aimerait bien avoir des personnes peut-être plus référentes que d'autres, vous voyez, des interlocuteurs, des représentants des riverains, mais ça c'est pas à nous de le décider, c'est un peu à vous. Donc ce soir c'est une étape et on va refaire une réunion, on essaiera de faire en sorte qu'il y ait encore plus de monde. Et puis vous pouvez aussi nous écrire à Arnaud Duverne donc, sur les sujets que vous aimeriez aborder. On a un sujet papeterie, on va y revenir, les berges, nous alerter, vous voyez, donc il faut que ça crée une fluidité. Je suis certain que la réunion de ce soir est un démarrage d'un partage, c'était le bien commun donc, qu'est la rivière Essonne. Alors allez-y madame, super, je suis très content que vous veniez vous présenter et dire un mot, présentez-vous. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je représente ce soir le CIARS. Donc, ma présence était un petit peu plus discrète, effectivement, puisque cette réunion était à l'initiative de la commune pour vous rencontrer toutes et tous. J'ai amené avec moi quelques guides de l'entretien de la rivière Essonne. Donc, n'hésitez pas à venir vous servir et on aura l'occasion de vous rencontrer cette année sur différentes réunions publiques où on échangera justement sur les différentes techniques d'entretien et sur les responsabilités de chacun en la matière. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Et vous vous appelez comment ? Sophie Grémier. Voilà, donc ça vous avez metté un nom et qui travaille étroitement, merci, avec nous au quotidien. Témoignage d'une, voilà, avec le CIARS, ça bosse ensemble, merci. Suivez Corbeil-Essonne parfaitement. Voilà, vous pouvez prendre des brochures. Et puis je pense, on va applaudir Jean-Luc Combrisson, on va le remercier parce que c'est vraiment... Merci aux agents, à tous ceux à la technique qui ont permis cette soirée, puis rester échanger deux minutes en buvant un verre. Merci à vous.